Bonjour les cousettes, je vous attends pour la suite du sac banane Charlie. Donc nous sommes à la session numéro 2 et aujourd'hui nous allons coudre ensemble la face avant. Donc je vous attends, nous sommes samedi 10h pour la suite de ce petit programme créatif qui a lieu sur plusieurs jours. Je le rappelle, on a commencé hier et la suite, donc du coup c'est aujourd'hui samedi et ensuite dimanche soir, lundi soir. Et si on n'a pas fini, on rajoutera une séance mardi, mais j'espère qu'on aura fini d'ici là. Donc j'espère que vous allez bien, salut Cassandre, rebonjour Elisabeth, on s'est vu hier, comment vas-tu? Je vous attends pour le début du live, vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, et pas de panique comme hier, le replay sera disponible, donc si vous avez un petit moment pour faire autre chose, vous avez besoin de couper, rassurez-vous, vous pourrez rattraper ce que vous n'aurez pas eu l'occasion de voir en direct. Bonjour Coco, comment ça va? Bonjour Marie, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, que vous êtes prête et d'attaque pour la suite du programme. Bonjour, bonjour à toutes. Donc je vous attends. Et puis donc pour un petit récap, hier on a préparé notre fermeture. Elle est ouf que je vous la montre. Je l'ai mise là, voilà. Hier on a préparé notre fermeture de haut de sac banane, d'accord, celle-ci. Nous avons préparé le mousqueton et nous avons préparé les passants de sangle. Merci beaucoup pour tes étoiles, Mercedes. Et nous avons aussi, certaines ont passepoilé la fermeture de la face avant. Hello Claire, comment ça va? Claire, je compte sur toi pour m'aider, parce que Monsieur Todinette n'est pas disponible tout de suite. Donc n'hésite pas à répondre si tu vois des questions que je ne vois pas. Merci Céline pour l'atelier magnifique. Ah, j'ai ma presse qui va s'éteindre, bon, c'est pas grave. Je vous referai bien sûr un petit tour de l'atelier quand tout sera finalisé. Là c'est la partie couture et de l'autre côté il y a la partie tissu qui est un petit peu en bazar. C'est normal, c'est un atelier créatif. Donc là ce matin, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la face avant de notre sac banane. Salut Julie, je t'avais pas vue. On va créer toute cette face. Là je vous la montre. Le temps que tout le monde arrive, donc on va créer cette place ici, cette place n'importe quoi, cette pièce là avec la fermeture. Donc on va faire une poche et on va mettre les pièces de côté. Voilà, aujourd'hui on va faire ça. Si on voit qu'on avance bien, on s'occupera aussi de la partie du bord un petit peu pour préparer les pièces pour la suite. Bonjour MJ. Alors, j'ai vu une question, est-ce qu'on peut prendre de la mousse sur résille? Alors, ça, vraiment, ça dépend de ton niveau parce qu'il y a pas mal d'empiècement et d'arrondi. Et si on utilise quelque chose de trop épais, ça peut être compliqué. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas essayé. Si tu as envie d'essayer, dis-nous ce que tu en penses. Mais je ne suis pas sûre que ce soit hyper facile comme projet avec de la mousse sur résille. Après, pourquoi pas, hein, chacune en fonction de son niveau. Mais voilà, mon avis, je ne suis pas sûre. Oui, oui, Julie, elle dit la même chose que moi. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. On préparera peut-être nos pièces pour la doublure ici et peut-être que je vous donnerai les indications pour la poche arrière. Donc ça, c'est le programme de la matinée et demain, on s'occupera, demain en fin de journée, hein, dimanche 18h, je crois que c'est 18h30, il faut que je vérifie. Je vous redirai, on s'occupera de notre rabat avec notre méga fermeture. Je sais que certaines ont un peu peur de cette étape, donc on fera ça demain tranquillement. Alors Josette, exactement, j'y viens. Donc pour aujourd'hui, on n'a pas besoin de toutes les pièces. Donc on va avoir besoin, hop, j'ai tout préparé ici. Donc je vous rappelle que je suis en miroir, d'accord? Donc du coup, vous voyez les pièces à l'envers, c'est normal puisque j'ai besoin de lire vos commentaires. On va avoir besoin de la pièce de haute poche HP, d'accord? Donc c'est la version classique hein, qu'on fait. Donc elle est ici. Attention sur cette pièce, il y a une partie qui est droite et une partie un peu plus incurvée en courbe, d'accord? Nous avons aussi besoin des pièces de bas de poche, donc c'est les pièces qui se mettent en bas. Donc il y en a deux, il y en a une pour la partie extérieure et il y en a une pour la doublure. Donc moi comme je travaille en enduit, c'est les deux mêmes pièces, mais je vous redirai quand est-ce qu'il faut utiliser la pièce de doublure et la pièce extérieure. Vous avez aussi besoin de la pièce de fond de poche, donc ça on l'a découpé dans le tissu de doublure, c'est pour venir du coup doubler notre poche zippée, ok? Et on a besoin aussi des pièces C1 et C2 qui vont venir sur les côtés. Donc moi je les ai découpées dans de la toile à sac grise. Voilà les pièces dont vous allez avoir besoin. Et moi, je voulais vous montrer, je voulais vous la montrer hier et puis j'ai oublié de la sortir, ma petite étiquette que je vais venir coudre. Alors, je ne sais pas encore si je la couds devant ou derrière, donc elle est à l'envers, hein, parce que je suis en miroir encore une fois. Donc, c'est
une étiquette, je crois qu'elle est en simili-cuir, voilà, que j'avais fait faire avec mon logo. Et elle est, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est le simili qui a été un petit peu gratté. Et c'est là, hop, on voit du coup mon logo qui a été gravé, en fait, sur la pièce. Donc, j'ai choisi celle-ci parce qu'il y a des petits coins, on va pouvoir la coudre tout à la fin. Et donc, c'est une étiquette que j'ai commandée chez mon partenaire, étiquette ruban, voilà. Et il y a un petit code promo, c'est ça que je voulais vous dire et que j'ai oublié. Il est sur le blog, si vous voulez faire des étiquettes personnalisées. Je crois que le code, c'est DODI2022, mais voilà, vous le retrouvez sur blog.dodinette.com si vous voulez avoir toutes les infos. Françoise, avec plaisir pour le temps que je vous donne, mais c'est du temps aussi et loisir pour moi. Je suis très contente d'être avec vous, ça me fait très très plaisir. Et j'espère que vous allez toutes réussir à faire votre sac banane, au moins celui que vous avez en tête. Donc ce matin, on va monter toute notre face avant. Donc je pense que tout le monde est arrivé, donc on va commencer tranquillement. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Ah bien sûr, j'ai oublié, j'ai préparé un cahier avec des notes sur ce que je devais faire, mais ce n'est pas grave parce que je l'ai écrit, je devrais m'en rappeler. Si c'est pas clair pour vous, dites-moi, je répète, il n'y a pas de souci, il y a Claire, elle ne vient pas, voilà, j'ai ma fille qui se réveille, il y a Claire qui est là aussi pour vous aider, qui va répondre en commentaire, j'ai vu Julie aussi qui va m'aider, je pense, si je ne vois pas toutes vos questions. Françoise, merci beaucoup pour tes étoiles, hier vous m'avez envoyé un maximum d'étoiles, merci beaucoup, ça m'a fait hyper plaisir et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Pour les étiquettes, parce qu'Aurore a dit qu'elle adore l'étiquette, j'en ai commandé plusieurs différentes. Salut Laetitia, je t'avais pas vue. Merci beaucoup pour tes étoiles, Vanda. Donc du coup, je vais vous faire aussi un petit article sur les étiquettes, mais j'attends, je voudrais en commander aussi en coton pour pouvoir vous expliquer un peu tout, comment ça se passe, celles que j'aime, j'aime pas, et tout ça, tout ça. Donc voilà, donc ça viendra bientôt sur le blog, mais je vous ai quand même mis le code promo parce que certaines me l'ont demandé. Alors, on y va. Donc là, pour cette étape, on va avoir besoin de notre zip de face avant, d'accord ? Certaines n'ont pas spoilé ou pas hier, en fonction de ce que vous avez fait. J'ai encore des fils qui traînent. Donc je vais les couper. Hop. Et vous n'avez pas besoin de ce pied-là pour l'instant. Ça, c'est mon pied téflon à roulette ou pied classique, comme vous voulez. Vous avez impérativement besoin de votre pied pose-fermeture. Donc, le mien est comme ceci sur ma machine Veritas. Regardez comment est le vôtre, d'accord ? Il va vous permettre de venir coudre au plus près du zip ou du passepoil. Mais normalement, si vous avez cousu votre passepoil hier, il est déjà sorti. Merci beaucoup Sandrine pour tes étoiles. Alors, je vais m'installer. Ce que j'ai fait, j'ai sorti ma tablette pour tricher un peu et pouvoir vous donner toutes les indications. Donc, je vais l'allumer pour pouvoir suivre le tuto en même temps. Comme ça, s'il y a des questions, tout ça. Donc, moi, je vous dis la page. Comme ça, si vous voulez suivre en même temps ou mettre des annotations, n'hésitez pas, je vous redirai. Donc là, je suis page 31, d'accord ? Et on va s'occuper de la création de la poche de face avant. Voilà ce qu'on va faire là tout de suite. Salut Noël, comment vas-tu ? Je suis contente de te retrouver. Coucou Régine. Alors, on va s'installer là. Donc, j'ai ma machine ici, d'accord ? On va positionner nos pièces et ensuite, on va les coudre. Donc là, pour l'instant, hop. J'ai pas besoin de ma machine. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voyez, vous voyez pas, tout ça. Hop, voilà. Donc là, tout de suite, on va avoir besoin. Donc, la pièce de fond de poche, je me la mets de côté. J'en ai pas besoin pour l'instant. Et on va avoir besoin de cette pièce-ci. C'est la pièce de bas de poche, d'accord ? On l'a coupée deux fois. On l'a coupée une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu de doublure. Donc, il vous faut la pièce de tissu extérieur. Donc, c'est la pièce que vous allez voir à l'extérieur de votre sac. Je vous remontre. Sur ma banane, ça c'est la grande taille 4, là je suis en train de faire la taille 3, c'est cette pièce-ci, d'accord ? Donc si vous la voulez imprimer, si vous la voulez unie, tout ça, c'est vous qui avez décidé. Merci beaucoup pour tes étoiles, merci. Alors, hop, on y va. Donc, moi je vais choisir, allez, j'ai envie d'avoir du rose, je vais choisir celle-ci. Donc je pose ma pièce devant moi, ma pièce de fond de poche, donc de bas de poche, pardon, BP. Hop. Celle-ci, je la pose face à moi et je vais tourner un peu en essayant de voir quand même vos petits commentaires. Voilà, hop, et un petit zoom, ce serait bien. Donc, je la pose devant moi et j'ai ici ma fermeture. Ok, tac. Donc, je vais venir positionner ma fermeture au niveau du haut de la pièce de bas de poche. Merci Stéphanie pour tes étoiles, merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut faire, c'est centrer. Donc, si vous avez des curseurs de début et de fin, moi, je n'en ai pas, il faut qu'ils soient à l'extérieur de la pièce, d'accord ? Il ne faut pas que vous ayez un curseur, vous savez, un petit cran d'arrêt à moins de 1 cm du bord, sinon ça va se voir ou ça va vous gêner. Merci, Mamie Josette, pour tes étoiles. Alors,
je prends ma fermeture, d'accord, et je vais la mettre endroit contre endroit sur ma pièce. Donc moi, dans le tuto, j'ai choisi de mettre le curseur sur le côté droit de la fermeture. Donc, si votre fermeture est plus longue, vous pouvez le déplacer un peu pour pas qu'il vous gêne, d'accord? Et moi, ce que je vais faire pour éviter malencontreusement de sortir mon curseur, je vais venir me mettre des pinces, juste, mais ça c'est pour moi, pour éviter de faire des bêtises. Merci beaucoup Isabelle pour tes étoiles, j'ai cru en voir passer. Je vois pas tout. Ou alors c'était Sylvie. Youp. Oui, merci Sylvie. Alors, du coup, je prends ma fermeture, je la mets endroit contre endroit, d'accord, sur la pièce de bas de poche. Par contre, je fais attention, mon passepoil, vous voyez, si je pose comme ça, normalement, mon passepoil, il fait à peu près, alors moi, je n'ai pas coupé hyper droit, il fait à peu près la taille de la pièce ici. Donc, je m'arrange pour que mon passepoil, il soit centré sur la pièce. Alors, si je me mets comme ça, bah, du coup, ça ne va pas être très joli ici. Hop, donc, je vais décaler encore un petit peu ma fermeture et je vais venir. Donc là, c'est à vous de bien viser pour essayer d'avoir le passepoil, hop, de part et d'autre. On va piquer, ensuite on va avoir une marge de couture à 1 cm sur les côtés, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas pile poil, si vous avez 1 cm de marge, il faut avoir au moins pouvoir piquer à 1 cm sur le côté, si le passepoil il va pas tout au bout, c'est pas grave, on va se perdre dans la marge de couture. Donc moi je vais venir mettre ensuite des petites pinces, d'accord, hop, merci Béa. Oui, moi, Béa, tu sais, moi, j'ai tellement perdu de curseur que maintenant, je mets des pinces. Hop, donc, je vous montre le montage, d'accord? Je suis endroit contre endroit et j'ai le bord de la fermeture aligné sur le haut de la pièce. Là, ici. Tac. Voilà. Donc, première étape, je suis prête. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Elisabeth. Oui, c'est ça, parce que je ne vois pas trop vos commentaires. Merci beaucoup. Alors, on est là, on est prête, d'accord? Donc ici, à cette étape, on va venir coudre notre fermeture. Le but, c'est d'obtenir ça. Vous voyez la fermeture qui se trouve au-dessus du fond de poche. Donc moi, j'ai cousu un passepoil. Donc avec mon pied post-fermeture, il va falloir que je vienne coudre au plus près du passepoil. Ok? Oui, vous êtes plusieurs, Béatrice, j'ai vu. Donc là, si vous n'avez pas cousu de passepoil, vous pouvez coudre à peu près 1 cm du bord. Si vous avez cousu un passepoil comme moi, il faut venir chercher un petit peu où se trouve le passepoil au travers de l'épaisseur. Ok ? Donc je vais rapprocher ma machine. Hop. Et là, je m'installe. Donc je pose mon pied et j'essaye de chercher. C'est plus facile de commencer plus loin et de reculer. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Normalement, vous devez sentir un peu l'épaisseur du passepoil. Tac. Je pense qu'il est ici. Avec le pied post-fermeture. Alors, là, moi, je vais commencer un peu plus en avant et je vais reculer. Moi, je préfère travailler comme ça. Surtout que là, je travaille de l'enduit, du passepoil, une fermeture. Donc, ça fait beaucoup. Et je vais allonger un petit peu mon point. Je vais me mettre à 3. Allez, on y va. Donc là, on va se faire un petit point avant. Un petit point arrière. Donc, je vais du coup revenir jusqu'au début. Il est possible... Ah oui, je suis gênée par ma pince. Logique. Il est possible que je sois un peu loin de mon passepoil. C'est pas grave. Salut Laetitia, je t'avais pas vue. C'est pas grave si je suis trop loin du passepoil en largeur. Je préfère être trop loin et recoudre plus près si besoin. D'accord. Hop. Alors on y va. Je sais pas si vous voyez avec mes mains. J'espère. Et donc là, je viens coudre sur toute la longueur tranquillement. D'arrêt. Voilà. Hop. Donc là, je vais regarder ce qui se passe. J'ai vu que la tignuguette était arrivée. Hop. Voilà. Donc là, ce que je fais, une fois que j'ai fait ça, je déplie et je regarde est-ce que je suis au bon endroit. Oui, ça va. Hein. Je suis quand même assez proche de mon passepoil. Je pourrais repasser un petit coup pour être nickel si j'avais envie. Voilà. Donc là, vous voyez, si je tire un petit peu, moi, je vois un petit peu du bord du passepoil ici. C'est pas dramatique, mais si je suis perfectionniste, je pourrais remettre ma pièce comme ceci et venir coudre un tout petit peu plus près, refaire cette couture-là tranquillement. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le faire quand même, parce que ici, je vous parle en même temps, je suis pas hyper proche. Le risque, c'est de venir trop près et de piquer dans le passepoil. Donc, c'est un risque à prendre au cas.
ça va pour tout le monde. Bon, si vous n'avez pas de passepoil, c'est un petit peu plus simple. Essayez de rester quand même bien régulière, bien droite. Pour coudre, hop, cette pièce-là. Donc ensuite, je viens rabattre ma pièce sur l'endroit et j'admire le résultat. Donc c'est pas mal. Bon, vous voyez, j'ai un petit décalage de passepoil ici, mais c'est pas grave, je vais le rattraper. Donc, moi, je suis la reine de la bidouille, je rattrape toujours mes décalages, que je suis pas hyper clean dans mes découpes. Voilà, donc là, cette pièce-là, elle est prête. C'est bon. Je vais juste vérifier à quelle étape je dois surpiquer, parce que je ne connais pas toutes mes étapes par cœur. Voilà, oui, on va d'abord doubler la fermeture. Ok. Donc, du coup, on est là. Donc, une fois qu'on a vérifié que tout est OK, parfait, le passepoil, super, je remets ma fermeture comme ceci, endroit contre endroit, et je viens positionner maintenant la deuxième pièce BP, la pièce de doublure. OK ? Donc, c'est celle-ci, c'est exactement la même. Je vais venir, du coup, doubler ma poche directement. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que vous avez fini de coudre votre fermeture? Dites-moi, j'ai l'impression que ça se passe bien. Catherine, elle dit que c'est une bonne idée de coudre le passepoil avant. Bah oui, c'est plus facile. Et cette idée, je tiens à dire qu'elle vient aussi de Letty Bricole, parce que j'ai vu qu'elle faisait ça. Et j'ai trouvé que c'était une meilleure idée que de coudre sur cette pièce-là. Donc du coup, si ça va bien pour vous, on y va. Donc on va prendre notre pièce BP. Donc c'est la même exactement, en pièce de bas de poche. Hop. Et je vais venir la mettre ici. C'est bien ça? Non, pas du tout, j'ai pas fermé. Heureusement que j'ai ouvert mon tuto. D'accord, donc je me retrouve endroit contre endroit, la pièce de bas de poche, la fermeture, et je vois son envers, d'accord? Elle est sur la pièce cousue et la pièce déjà en place. Donc je viens bien aligner, hop, tous les côtés, et je replace mes pinces. J'y vais tranquillement. Voilà. Du coup, merci Angélique pour tes étoiles. Du coup, ce que je vais obtenir une fois que je vais avoir cousu là, et d'ailleurs je me rends compte que je ne vous ai pas donné à bonne marge de couture, mais c'est pas grave, tout à l'heure. Ce que je vais obtenir une fois cousu, c'est ça, d'avoir la fermeture cousue sur le haut de cette pièce et d'avoir la pièce doublée de l'autre côté. Ok ? On y va. Youp ! Donc même chose, je viens réaliser une couture au point droit à 1 cm. Tout à l'heure, c'était une couture de maintien 0,5, mais c'est pas grave. Le résultat sera le même, c'est pas très grave. Donc, du coup, je peux tricher parce que là, j'ai toujours mon passepoil. Donc, je me retrouve avec une épaisseur d'enduit, la fermeture, l'épaisseur du passepoil et l'autre épaisseur d'enduit. Donc, je peux un petit peu tricher si je veux être sûre d'être au bon endroit. Je tourne ma pièce de l'autre côté et ici, j'ai ma couture du passepoil réalisée tout à l'heure. D'accord ? Là, la pièce, elle est cousue, celle-ci. Donc, j'ai juste à repasser dessus tranquillement, en gardant bien mes pinces en place pour ne pas que les pièces bougent. Et comme ça, je pense que je serai au bon endroit. Hop, donc je me réinstalle et c'est reparti. Donc prenez votre temps pour avoir quelque chose de net. Isabelle, avec plaisir. Isabelle, elle a l'air contente. J'ai vu passer, elle a l'air contente du live parce qu'elle va oser se lancer. Le but, c'est ça. Ah, panne d'électricité, Sandrine. Ça, c'est toujours embêtant quand on veut coudre. Alors, du coup, une fois que j'ai cousu cette pièce, je peux vérifier que tout va bien. Donc, je vous remets comme on était. En vrai, on était comme ça, d'accord? Et si je la passe de l'autre côté, je me retrouve bien avec l'avant de la poche, ma fermeture qui s'ouvre correctement et la pièce doublée de l'autre côté. C'est exactement ça que je voulais. Donc, après, je referme un petit peu ma fermeture. Je vais replacer ma pince au bout parce que je me connais. Hop, et je vais rouvrir mon tuto. Tac. Donc là, c'est l'étape où maintenant, on va venir surpiquer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Panne de ciseaux aussi, c'est galère. Ah oui, les ciseaux aussi, mais je ne comprends pas comment on peut avoir une panne de ciseaux ou c'est des ciseaux peut-être électriques. Merci Cindy beaucoup pour tes étoiles. Donc du coup là on rabat les deux pièces envers contre envers, d'accord, et on va venir surpiquer sous la fermeture. Donc à cette étape, moi je vous conseille de bien tirer la pièce de doublure, donc c'est celle qui est en dessous là, d'accord,
pour bien aligner les bords et de mettre des petites pinces. C'est juste pour vous aider, voyez. Là, pour être sûr que la pièce, elle est bien tendue derrière, je vais venir placer des petites pinces. Hop. Voilà. Si ça dépasse, c'est pas grave. Le but, en fait, c'est qu'ici, cette partie-là soit bien tendue. C'est surtout ça. Alors, ensuite, moi je rigole parce que Catherine, elle dit qu'elle interdit qu'on lui téléphone pendant les lives. Moi aussi, je me suis mis en sourdine, je dois avouer. Donc là, on va venir coudre au point droit, d'accord, à 0,5 sous le passepoil. Vous pouvez venir plus à ras, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai mis 0,5, mais en réalité, vous faites ce que vous voulez. Venez pas à plus de 1, sinon vous n'allez pas vraiment plaquer le bord de la fermeture. Du coup, hop, on va venir ici. Quand on réalise une surpiqûre, souvent on allonge le point. Enfin, moi je préfère, je trouve ça plus joli. Mais moi je vais le mettre à 3,5, mais j'aime coudre au point allongé. Hein. Donc vous, vous faites comme vous voulez. Donc là, je travaille l'enduit. Donc il est possible que ça adhère un petit peu à ma machine. Si c'est le cas, j'utiliserai mon pied téflon à roulette. Mais a priori, cet enduit-là, c'est le même que dans le kit. Il est quand même très agréable à coudre. Donc je me positionne tranquillement. Voilà, au bord. Je tire bien surtout ma pièce de doublure. C'est ça le plus important. Hop, et je vais venir réaliser une couture au point droit tout le long de ma fermeture. Merci Victoria pour tes étoiles, merci beaucoup. Donc du coup, on y va. Je vais commencer en recul, hein, voilà, soyons originales. Hop, et je repars en marche arrière. Donc je prends mon temps pour cette étape. Je tire toujours bien, d'accord, la pièce de doublure en dessous, même si je l'ai attachée. A priori, elle ne va pas rebondir. Et j'essaye de coudre droit. Donc moi je vous parle en même temps, donc c'est souvent moins bien fait chez moi que chez vous. Voilà, et je viens jusqu'au bout. Voilà. Mes petites fils. Donc la chose la plus importante à vérifier à cette étape, c'est que ma fermeture coulisse toujours correctement, d'accord, et que je n'ai pas la pièce de doublure ici qui vient se prendre dans les dents du zip. Donc ça va. Émilie, merci pour tes étoiles. Hop, il y aura un replay sur ton site et Facebook, Angélique. Oui, il y aura un replay sur ma page Facebook, mais surtout, chaque vidéo, ensuite, je les télécharge et je les mets toutes sur ma chaîne YouTube. Donc la chaîne, c'est Dodinette. Pensez à vous y abonner. Et j'ai ouvert une playlist qui s'appelle... Live couture, sac banane Charlie. Donc tu peux retrouver juste après, en fait, le temps que je les télécharge et que je les importe sur YouTube. À peu près, il faut une heure pour que YouTube traite la vidéo. Et ensuite, vous les retrouvez tout au même endroit là-bas. Est-ce que ça va pour tout le monde, Fanny? Tu peux être en retard sans souci, il n'y a pas de problème. Alors, on va maintenant doubler le haut, enfin, venir préparer le haut de notre pièce. Tac, je vérifie mon tuto que j'ai rien oublié de vous dire. Ok. Donc là, on est OK, d'accord? On est comme ceci. Alors moi, j'ai une fermeture bien plus longue, OK? Vous, si vous avez une fermeture avec des crans d'arrêt, je répète, hein, une fermeture avec un début, une fin, ils doivent se trouver à l'extérieur de la pièce, c'est important. Hop, maintenant, on va... Donc la pièce de bas de poche, je l'enlève, on n'en a plus besoin, on les a toutes cousues. Et maintenant, on va avoir besoin, youp, de cette pièce-ci, d'accord? C'est la pièce de haut de poche. Alors attention, la pièce de haut de poche, si vous la regardez bien, ok, il y a une partie droite et une partie un peu courbe en haut. La partie courbe, elle correspond au haut. Vous voyez, là, il y a le droit fil. Donc, si je la mets face à moi, le sens de mon motif est comme ça. Donc, j'ai la partie droite en bas et la courbe en haut. Ça, c'est important. Donc, je vais venir ici. Est-ce que vous voyez bien ma pièce? Je ne suis pas sûre. Voilà, je vais me mettre là, hop, en face de la caméra, c'est mieux. Donc, je vais prendre ma pièce de haute poche, comme ceci, d'accord, face à moi, et je vais venir mettre le bas de la pièce sur le haut de la fermeture, comme ça, endroit contre endroit. Donc, la partie courbe se trouve face à moi, et la partie qui est droite de la pièce se trouve contre la fermeture, comme ceci, ok. Je me remets, donc ma pièce, elle est normalement comme ceci, et je viens endroit contre endroit, et j'aligne le haut de la pièce sur le haut de la fermeture. À cette étape, la fermeture, elle est sur l'endroit, d'accord? Je vois mon curseur ici. Alors, je vais le déplacer un petit peu.
et j'aligne donc le haut et j'aligne aussi le bord de la pièce pour essayer de faire correspondre le côté. Merci beaucoup Virginie pour tes étoiles. Alors, youp, je mets des pinces. Et on commence à voir la pièce de face avant se dessiner. Donc je vais hop, placer tout ça. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Tac. Hop là. Voilà. Donc, on essaye de... Alors là, c'est toujours l'étape moi, où je vais faire du décalage. C'est normal, je me connais. Donc je vais essayer de mettre plus de pinces. Bon, j'ai une super team. Là, j'ai Julie... Et puis Claire, là, qui vous met tous les commentaires. Merci beaucoup, les filles. C'est adorable. Hop. Donc, je vérifie ma marge de couture. Tac. A priori, je pense que je sais quoi faire. Alors, donc, on va réaliser ensuite une couture de maintien au point droit à 0,5. D'accord. Qu'est-ce que c'est une couture de maintien? C'est une couture, en fait, qui va disparaître dans la marge de couture par la suite. Donc, on peut, c'est juste pour tenir les pièces ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on veut obtenir au final? Moi, je regarde toujours, toujours ce que ça va donner avant de coudre. Ça, c'est mon côté dyslexique, je pense, pour me rassurer. Donc, j'ouvre, hop, et je veux obtenir ceci. D'accord? La fermeture avec la poche en bas et le haut ici. Je vous montre sur le sac. C'est plus facile de voir ce que ça donne. Coucou, Nathalie. Voilà. Donc, on est ici. D'accord? On a cousu cette partie-là et c'est cette pièce-ci qu'on va rajouter. OK? Après, on aura toute la doublure du sac. Mais là, on travaille sur cette pièce-là. Hop. Donc, une fois que je suis en place, on a le droit de mettre plein de pinces si on veut. Hein. D'accord. Coucou, mes sébères. Comment tu vas? Alors, tac. Voilà. Donc là, je suis prête. Vous êtes très studieux. J'ai l'impression que ça va pour tout le monde. Donc, c'est très bien. N'hésitez pas à dire à SOS si ça ne va pas. Et là, je vais faire exactement la même chose, d'accord? Je ne vais revenir que de ma fermeture. Et cette fois, je ne vais pas me tromper de marge de couture. Je vais vous dire que c'est 0,5. OK? Donc, je ne vais pas venir au ras du passepoil. C'est normal. Je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises. Oui, parce que je vais coudre plus près ensuite. Donc, hop, je viens là. Donc, moi, je vais décaler un peu mon aiguille pour ne pas être tout au bord. Et je viens réaliser même chose, une couture au point droit. Je remets mon point à 3 parce que j'étais en point à 1. C'est juste pour tenir la fermeture en place pour le moment. Donc si c'est pas très droit, c'est pas grave. Et on essaye de ne pas faire de décalage. Donc quand je dis décalage, c'est décalage de pièces ici. Le rythme est nickel, on a largement le temps de suivre. Christine, c'est parfait. Donc Christine, elle connaît par cœur le projet parce qu'elle l'a fait plusieurs fois. C'est très bien, si ça vous va, ça me va aussi. C'est très bien. Hop. Voilà. Demain, c'est 18h, Béatrice. OK, alors si j'ai mis 18h, c'est 18h. De toute façon, je vais vérifier quand même ce que je... Normalement, je vous ai mis un petit rappel automatique sur Facebook. Alors, là, je vérifie que c'est OK. Ça m'a l'air pas mal. J'ai un bon alignement, à part mes passepoils là, qui sont justes, mais c'est pas grave. Et sur les côtés, ça semble aller bien. Donc là, j'ai cousu ma pièce de haute poche. Merci Nathalie. Nathalie, elle dit, tu nous rends aussi passionnés que toi. Eh bien, merci beaucoup. Ah, alors maintenant, Claire dit 18h30. Peut-être j'ai mis deux horaires différents, c'est possible. On se redira à la fin de ce live ce qu'on fait. De toute façon, je vous remettrai un rappel sur Facebook, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir doubler notre poche. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Si on retourne, on voit bien qu'on a le bas de poche qui est doublé. C'est-à-dire que quand je vais rentrer, je vais ouvrir ma fermeture, je vais avoir cette pièce-là. Mais ici, j'ai rien. Donc, on va venir doubler. Oh, Stéphanie, je n'avais pas vu que tu étais là. J'espère que ça va. Hop, alors. Ah oui, mais si je referme mon tuto, ça ne va pas du tout. Alors, une fois que j'ai fait ça, d'accord, je vais venir utiliser la pièce de fond de poche. Alors, où est-ce que j'ai mis cette pièce? Elle est ici. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais tourner mon ouvrage, de manière à avoir la pièce que je viens d'ajouter, je vous remontre. Elle est face à moi, ici. OK? Que vous voyez bien, ça va? Elle est face à moi, ici. Donc moi, je la laisse vers le bas, d'accord? Une fois qu'elle est cousue, hein. Une fois qu'elle est cousue, je la laisse comme ça, je ne la touche pas. Et je vais tourner mon ouvrage pour avoir la doublure face à moi. À cette étape, je vais prendre la pièce de fond de poche, FP, OK? Et je vais venir la mettre endroit contre endroit sur le haut de la fermeture, ici.
Ok, le but c'est de venir du coup doubler cette partie-là. Youp. Donc, j'essaye comme tout à l'heure, j'aligne du haut de la pièce sur le haut de la fermeture et j'essaye de faire coïncider les côtés, d'accord? Alors, en fonction de la fermeture utilisée, tout ça, vous voyez, moi, ça s'aligne bien en bas. Et encore, je n'ai pas fait mes découpes nickel, hein, je les ai fait vite fait, parce que c'est mon 7e sac banane, donc au bout d'un moment, je fais un peu plus voilà, rapidement. Mais vous, si vous avez un petit décalage ou quelque chose, ne vous inquiétez pas, c'est possible de le rattraper. On en reparlera, vous me direz s'il y a un problème. Du coup, j'ai vu passer une question, qu'est-ce qu'on coud ? On est en train de coudre le sac banane Charlie, et du coup, on en est à l'étape de l'assemblage de la face avant, donc ce sont 4 lives, hein, un live tous les jours, donc si tu as envie de nous rejoindre, tu as le lien vers le patron en haut, et tous les lives sont disponibles en replay. Donc, hop, je positionne ma pièce et je mets des pinces. Le plus important, c'est d'aligner les côtés, ok ? Est-ce que tout va bien? Tac. Je place mes petites pinces un peu partout. Ok. Donc là, je suis prête à coudre. Ok. Hop. Bonjour Marido, je vois que tu m'as mis un petit message. Eh bien, je suis contente que ce tutoriel te plaise. Bienvenue. Lydie, les lives restent combien de temps? Eh bien, en fait, ils vont être tous sur ma chaîne YouTube sans durée, c'est-à-dire tout le temps. La chaîne, c'est Dodinette, Dodinette, ou alors sur le blog, blog.dodinette.com, dans l'article qui est dédié à ce live, il y a tous les replays. Donc, il n'y a pas vraiment de durée. Si tu veux les voir 50 fois, tu as le droit, il n'y a pas de problème. Donc, ma pièce de fond de poche, elle est en place ici, d'accord? De l'autre côté, j'ai ma pièce de haut de poche hein, qui est là, ok? Je vous montre un petit peu comment se placent vos pièces. Et donc, quand je suis là, avec la pièce de fond de poche face à moi, j'ai l'envers de la fermeture. Tout va bien pour tout le monde? Donc à cette étape-là, j'aligne bien, je prends mon temps pour aligner le haut des pièces, parce que sinon je vais produire un peu de décalage en hauteur. Hop là. Voilà. Et je vais venir réaliser une couture au point droit ici, d'accord? Cette fois à 1 cm du côté. Irène, je suis contente que ça te plaise ce live. J'aime beaucoup passer du temps avec vous à coudre ensemble, donc... N'hésite pas à t'abonner à la page, c'est ta première visite, parce qu'on en fera d'autres. Et puis, il y a la suite aussi à suivre. Merci Laurence pour tes étoiles, merci beaucoup. Alors, même chose que tout à l'heure, je viens positionner du coup là mon pied, d'accord? Là, je ne peux pas tricher, hein, parce que je vois pas, j'ai cousu à 0,5, je n'ai pas cousu à 1. Donc, je ne peux pas tricher sur la couture du passepoil de tout à l'heure. Donc, du coup, il va falloir, comme tout à l'heure, chercher un peu où est votre passepoil au travers. Donc là... J'ai du mal à le sentir parce qu'il se trouve de l'autre côté. Vous voyez, il n'est pas de ce côté du zip. Donc, je peux quand même tricher et me mettre de ce côté-là pour mieux le sentir. Il est là. Ok? C'est la même chose que je vais traverser toutes les épaisseurs. J'ai vu passer plein de petits mots trop gentils. Donc, merci beaucoup. Les specs, elles sont parfaites. Je vais oser me lancer. Ben, Véronique, c'est fait pour ça. Donc, n'hésite pas. Tu as loupé la fin Audrey, mon zip était décalé, tu me donnes envie de retenter, mais oui retente parce qu'on va aussi faire la fin ensemble, donc du coup tu pourras voir qu'est-ce qui a pu se passer, d'accord, et je vous dis pour celles qui n'ont pas vu, merci Poisson Rigolo, j'aime bien ton pseudo, celles qui n'ont pas, qui ont peur de se lancer tout ça, on a ouvert un groupe pour ce live, d'accord, ça s'appelle Coudre un sac, le sac banane Charlie sur Facebook, vous êtes déjà plus de 500 dessus. N'hésitez pas à le rejoindre, vous pouvez poser vos questions hein, relatives au modèle, poster une photo de votre réalisation, que je puisse voir ce que vous faites, tout ça, voilà. Si vous avez envie d'interagir après le live, c'est possible, parce que parfois il y a tellement de commentaires que j'ai du mal à tous les lire. Ça me fait très plaisir hein, quand vous commentez, mais des fois quand il y en a 5000, le temps que je réponde à certains, les autres reposent les mêmes questions, donc c'est plus simple sur le groupe. Du coup là, comme tout à l'heure, je sens mon passepoil ici, j'ai planté mon aiguille, et je vais venir, j'essaye de coudre au plus près, hein. Comme tout à l'heure, si c'est trop loin, je pourrais revenir beaucoup plus proche, donc pas de pression, et j'y vais tranquillement, d'accord? J'enlève mes pinces au fur et à mesure. Un mini décalage ici, comme quoi moi aussi ça m'arrive même très souvent d'ailleurs.
Voilà, et quand je replace ma pièce vers le haut, normalement, je vois mon passepoil. Donc, normalement, vous, vous êtes de ce côté, en réalité, parce que moi, j'ai tourné, ok? Donc là, on a placé notre pièce de doublure, donc on vérifie, on peut tirer la pièce vers le haut pour voir. Et là, si on ouvre la fermeture, normalement, on se retrouve avec notre pièce qui doit être doublée. Voyez, ici. Donc, moi, tout va bien. Est-ce que ça va chez vous? N'hésitez pas à me dire comment ça se passe. Véronique la demande sur le groupe, les modératrices, elles vont t'accepter normalement juste après le live, parce qu'elles sont sur le live avec moi. Alors, j'ouvre, je vérifie mon tuto quand même, que je ne vous ai pas raconté de bêtises. Tac, donc une fois que j'ai fait ça, parfait. Donc je vérifie bien que j'ai ma pièce doublée, d'accord. Donc je vous montre, je vous remontre. Quand j'ouvre ma fermeture, je dois avoir cette pièce. Vous voyez qu'on vient d'ajouter ici, elle est en dessous. Donc je la laisse bien vers le bas, ok. Donc ça donne ça, en fait, si je tourne, d'accord, vous avez la pièce qu'on vient d'ajouter, elle est là, et la pièce de haut de poche vers le haut. Donc je garde bien la pièce de fond de poche vers le bas, et la pièce ici de haut de poche vers le haut, et je vais venir surpiquer le haut de la fermeture ici, pour bien fixer tout en place. Pourquoi c'est important d'avoir notre poche, notre pièce ici vers le bas? C'est-à-dire que si je la mets vers le haut après, et que je viens surpiquer, je vais avoir ici un espèce de petit boudin qui va se former avec ma surpiqûre, ça va pas être joli. Donc je la garde bien vers le bas, comme si c'était fini. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de fermer un petit peu votre fermeture. Comme ça, la pièce, elle se met comme quand elle va être terminée. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais venir réaliser ma surpiqûre ici, hop, en traversant la pièce de haute poche, la fermeture, les marges de couture, le passepoil et la marge de couture de la pièce de fond de poche. Donc là, j'ai pas mal d'épaisseur, donc je pense à allonger mon coin. Alors, bien entendu, chez vous, si vous avez comme là, on voit un petit peu le bord du passepoil, vous pouvez au coude plus près. Hein. Moi, je vais le faire comme ça, parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps sur le live, mais chez vous, ce sera sûrement mieux fait que moi. Alors, Régine, coucou, si on commande aujourd'hui, nous recevons quand? Trois petits points. Alors, ça dépend ce que tu commandes, Régine. Si tu commandes le patron, il est en téléchargement tout de suite sur ton compte client, donc tu l'auras tout de suite. Et si c'est un kit, si vous commandez un kit aujourd'hui, il part mardi midi. Et j'ai pris un moyen de transport qui normalement est assez rapide, donc il devrait être avant la fin de semaine arrivé au lieu de livraison. Voilà. Hop. Donc, là, j'essaye d'avoir quelque chose de régulier et je fais ma couture, enfin, ma surpiqûre, ok, au point droit. Alors, si comme moi, vous avez un mini décalage, vous pouvez tirer un peu pour tricher et cacher ici ce qui vous dérange. Hop. Ma pièce de face avant, elle est en train de prendre forme. Oui, votre machine. Bonjour, votre machine. C'est Pascal qui dit ça. Marion, Veritas, s'il vous plaît. Oui, c'est la machine Marion qui s'est écrit là, mais vous êtes à l'envers. C'est la machine sur laquelle je couds depuis plus de 2 ans. Hein. J'en suis très contente. J'ai vu qu'il y avait des questions hier. Vous pouvez retrouver mon avis sur le blog. Vous tapez sur Google, parce que Google est votre ami. Avis machine à coudre Marion Veritas de Dinette. Et vous avez mon avis. Et vous avez aussi un code promo qui vous encourage, une petite réduction. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Alors, du coup, on est là. Est-ce que ça va pour tout le monde? On a une jolie face avant. D'accord, il va nous manquer que les pièces des côtés. Et on va avoir terminé cette pièce. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hop, je vous montre l'arrière si vous voulez voir comment c'est. Voilà, donc ici j'ai surpiqué et je suis comme ceci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi, je vais en profiter pour vérifier la suite de ce qu'on va faire. Donc là, je vais vous dire la page où on est. Donc la pièce de poche avant est terminée, on est page 34. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire quand même une petite couture de maintien pour la suite. Ici. Donc, comme ça, on sera tranquille. D'accord, donc ici on a notre pièce, hein, BP devant, et on a la doublure ici qu'on a mis. Donc vous voyez, moi j'ai un mini décalage de 0,3, c'est pas très grave. Donc ici, dans le bas de la pièce, j'aligne bien toutes les épaisseurs. Donc j'ai le haut de poche, enfin la pièce de bas de poche, la doublure et le fond de poche, d'accord, ici. Donc je viens mettre, hop,
des pinces et je vais réaliser une petite couture ici de maintien pour tenir toutes les épaisseurs ensemble. Pourquoi c'est pas grave ce petit décalage, d'accord? Là pour l'instant on va faire une petite couture de maintien à 0,5, mais à la fin on aura un assemblage à 1. Donc si vous avez un décalage de moins de 1, on le compensera dans la marge de couture. Donc moi ici je vais changer de pied, je vais prendre mon pied téflon à roulette parce que je l'aime bien, j'ai plus besoin du pied pour se faire une couture. Donc ici, je peux venir me faire une petite couture de maintien à 0,5. Hop, si je traverse pas la pièce de fond de poche, c'est pas très grave. Il faut au moins avoir les deux pièces de face avant, hop, qui se tiennent ensemble. J'ai mon fil qui se promène et on y va. Donc moi, je vous dis 0,5, mais en réalité, c'est comme vous voulez à moins de 1. Faites ce qui vous arrange, ce avec quoi vous êtes à l'aise, surtout. Et on y va tranquillement. Donc là, c'est une pièce arrondie. Je pense que je suis peut-être un peu... Donc, pour coudre un arrondi, vous faites comme si vous tournez un disque. D'accord, vous essayez de tourner la pièce en même temps que la machine. Avant, si ça va pas, vous plantez l'aiguille surtout, vous levez le pied et vous réajustez. Il n'y a pas de souci à y aller tranquillement. Donc là, je suis prête. Bon, mon temps était un peu allongé quand même, mais c'est pas grave. Donc là, je suis prête. J'ai ma pièce de face avant qui est presque terminée. Merci Marido pour tes étoiles. Merci beaucoup. Alors, ça c'est hop. Je reviens sur mon tuto. Et donc, on a fini. La pièce de poche avant est terminée. D'accord? Donc là, on va créer la face avant du sac banane. Je vous remontre ce qu'on fait. Comme ça, c'est plus facile pour vous de visualiser. Donc, on a exactement cette pièce-là qui est terminée. Ok, elle est là. Hop. Alors, c'est pas la même taille, c'est normal. Hein, parce que moi, là, je couds une taille 3. Et ça, c'est la taille 4. Du coup, elle est là. Et là, je vais venir rajouter ces pièces-là. C'est des pièces de côté. Donc, C1 et C2. Donc là, c'est l'instant de vérité. On voit si tout va bien. J'espère que ça va aller pour moi, en tout cas. D'accord? Donc, je garde mon ouvrage comme ceci. C'est juste que là, ici, la fermeture, je vais devoir la mettre au milieu, le curseur. Ok, mais je vous montre déjà le placement. Donc, j'ai deux pièces qui sont comme ceci. D'accord? C'est ce que je vais obtenir à la fin. C'est ça. Donc, hop, je vais vous mettre les noms comme ça, c'est plus facile. Donc, on a C1 et C2. Donc, on met notre pièce face à nous. D'accord? Donc, on va prendre d'abord la pièce C2 qu'on va mettre sur le côté gauche de l'ouvrage. Donc, c'est celle-ci. Je peux peut-être déjà placer mes repères que je n'ai pas placés. Donc ici, vous avez deux repères. Vous avez le cran de zip qui est en rouge ici ou en bleu sur certains patrons. Ça dépend de la taille que vous êtes en train de réaliser. Et ici, vous avez le repère de passant. D'accord? Vous voyez que ma découpe, elle n'est pas nickel, nickel. Donc, je vais venir placer mon repère de cran de zip. Donc moi, ce que je fais, je vais faire une petite entaille ici. À travers de l'épaisseur. Alors, pas très grosse l'entaille, hein, d'accord? Moins de 0,5, c'est bien. Carole, elle demande où on peut trouver le pied de téflon à roulette. Et bien, sur le site de Veritas, Carole, il y en a. Et ils sont compatibles machines Brother, Singer et je crois d'autres Toyota aussi. Donc voilà, tu peux en trouver chez eux. C'est le même que moi et je le trouve très très chouette. Donc là, j'ai fait une petite encoche. Vous voyez, moi, je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je la vois. Ok. Et là... Je vais me faire mon petit repère de passant. Donc, soit vous faites avec un crayon textile, hein, par exemple, comme là, là, je dessine. Soit vous faites un petit cran. Moi, j'aime bien faire des crans. Donc, hop. C'est sûr qu'en mettant à l'envers mes ciseaux, je ne vais pas y arriver. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. OK. Donc, notre pièce, c'est 2. On vient la mettre endroit contre endroit sur le bord de notre ouvrage. OK. Alors, le placement, il est comme ceci. J'aligne comme ceci. Je vérifie que tout va bien, que c'est bien cette pièce. Normalement, je pense que oui. Voilà. Donc, positionnez les deux pièces endroit contre endroit. Ok. Donc, je mets la pièce comme ceci. Ce que vous pouvez faire, c'est aligner le haut. Et si le bas dépasse un peu, pour vous, c'est bon signe. C'est que vous n'avez pas de décalage de hauteur. Ok. Donc, vous alignez bien le haut de la pièce. Si c'est un peu court, il faudra sûrement retailler. Donc là, pour l'instant, je viens positionner ma pièce ici et je mets des pinces. Donc je fais attention, là,
de ce côté, bien prendre toutes les épaisseurs, d'accord? J'ai fait un couture en bas, mais pas sur le côté. Donc là, c'est le côté où j'ai pas le curseur, donc c'est plus facile. Il n'y a rien à faire, hop, comme ça. Ok? Voilà, donc ici, de ce côté, c'est bon. L'autre côté, la difficulté, c'est que bien sûr, si je place ma pièce ici, je ne dirai pas à qui je pense, c'est une testeuse qui nous a fait ça. Si je place ma pièce ici et que je garde mon curseur là, d'accord, ben je vais avoir un souci, je ne pourrai pas ouvrir ma poche. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est placer votre curseur de manière à ce qu'il soit à l'intérieur de l'ouvrage, d'accord. Et je viens placer de la même manière la pièce C1 ici. Alors votre fermeture, il est possible qu'elle essaye de s'ouvrir un peu, donc vous la maintenez bien fermée. Et vous positionnez la pièce de la même manière. Hop. Et je place des pinces. Alors, au niveau de la fermeture, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez en mettre plus. Voilà. Donc là, je suis prête. Marido, à quoi sert le pied de téflon à roulette? Je te le montre. Donc c'est un pied qui évite d'avoir, comme il est en téflon, d'avoir l'enduit qui accroche au pied de la machine. Et le fait qu'il fait une roulette, je ne sais pas si tu la vois bien ici, elle tourne, ça me fait comme en fait un pied double entraînement et ça entraîne bien mon tissu. Voilà. Claire, elle rigole, bah oui. Tu as pas mis les repères, merci Émilie. C'est vrai, il aurait fallu les mettre. Bon, je vais les mettre après, c'est pas grave parce que en réalité, ma pièce, comme elle est comme ceci et que je l'ai mis là, les repères, ils se trouvent là. Donc, je peux les mettre maintenant, c'est pas un problème. Mais effectivement, heureusement que tu suis. Hop. Même chose, petite encoche et petite encoche. Tac. Hop. Donc, notre pied, hop, voilà. On y va. Donc maintenant, on va réaliser deux coutures. De mémoire, c'est 1 cm. Je vérifie. Après tous ces lives, je me suis décidée à mettre quand même ma tablette devant moi. C'est bien, j'apprends au fur et à mesure. Donc du coup, là, oui, on est donc, je vous répète, page 35. Et donc, on va réaliser une couture au point droit à 1 cm de chaque côté de la pièce. Marido, c'est pour les tissus spéciaux, oui, c'est pour les tissus qui ont tendance à accrocher. Moi, je l'utilise aussi pour le 6 mm. Avant, j'utilisais beaucoup mon pied double entraînement. Et en fait, je ne m'en sers plus du tout de ce pied-là. J'aime beaucoup trop mon pied téflon à roulette. Donc, allez, moi, je vais commencer. Alors, ce que je vous conseille pour éviter le décalage, c'est de commencer par le haut de la pièce, d'accord? Il vaut mieux avoir un petit décalage en bas que en haut. Donc, je me positionne mon pied. Je me mets bien au milieu pour coudre à 1 cm. Voilà. Et c'est parti. Donc là, je suis sur la partie de la fermeture qui peut s'ouvrir. Ok, donc je fais très attention quand je passe sur mon zip de ne pas avoir une fermeture qui va être cousue trop ouverte. Sinon, ça ne va pas être joli. Alors, on y va. Donc, je fais mes petits points avant-arrière et je vais venir coudre. Donc, je pense enlever mes pinces au fur et à mesure. D'accord, j'y vais doucement parce que là, je vais devoir coudre dans la maille. Ok, donc j'y vais tout doucement. Voir si ma machine, elle passe. Si elle ne passe pas, j'y vais avec le volant ici, comme hier. Avec plaisir, Marido. Le but, c'est ça, hein, c'est de vous donner des réponses. Donc, n'hésite pas à les poser. Ah, j'ai un fil qui traîne. Hop. Voilà. Et je vais jusqu'à là. Je fais mon point arrière. Hop. La couture, Nano, elle est à 1. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une fermeture au mètre, parce que finalement, si vous avez un curseur de fin, il va se trouver là et il va être coupé. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une fermeture séparable. Vous voyez, hop, comme ça. Et pourquoi j'ai un décalage? Parce que, bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pratiqué. J'ai du décalage. On va voir ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Normalement, je ne devrais pas avoir ce décalage-là. Bon. C'est bizarre. C'est très bizarre. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se passe en live. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Trafiquer. Bon, on va continuer. On verra après. Poisson rigolo, est-ce que dans les kits, on a le choix des tissus? Vous avez plusieurs assortiments que j'ai préparés et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le choix d'un ensemble, un de celui-ci avec celui-ci, mais il y a d'autres coloris. Hop. Donc, pour ce côté-là, tac, ici, je voudrais coudre à partir du haut, d'accord? Donc,
je me mets de l'autre côté. Pour ne pas avoir de décalage, je m'écoute comme ça. Parce que si je me mets comme ceci, je peux avoir un décalage vers le haut qui me dérange. Hop, et j'y vais. C'est la même chose. Tac. Une fois que j'ai fait ça, j'admire mon travail. Hop là, voilà. Donc là, ma pièce de face avant, elle est presque terminée. Alors, ici, j'ai un petit décalage, mais c'est pas grave, on va le recouper ensemble. Ça, vous verrez si ça vous arrive aussi, ce que vous pouvez faire. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vérifie que tout va bien. Moi, ça me semble à peu près régulier et droit. Et surtout, j'ai le haut ici qui est bien aligné. Vous voyez, vous avez une pièce en fait qui n'est pas droite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est un peu courbée. Elle est comme ça. OK ? Ici. Donc, ça, c'est parfait. Donc, j'ai ma pièce de face avant qui est prête. Est-ce que ça va chez vous ? Et du coup, ici, j'ai plus besoin de cette partie de zip, donc je vais pouvoir l'éliminer. Donc, bien sûr, je ne prends pas mes ciseaux de couture, ça c'est important pour la couper, d'accord? J'utilise des ciseaux classiques qui ne sont pas faits pour mes tissus. Donc, soit vous coupez maintenant, soit d'abord vous surpiquez. Donc, moi, je vais d'abord surpiquer et je vais le couper ensuite. Hop! Donc, ce que je vais faire à ce niveau-là, je vais rabattre la pièce vers l'extérieur ici, vous voyez? Je peux placer ici des pinces si je veux et je vais rabattre aussi, du coup, ma marge de couture ici vers l'extérieur parce que je vais venir la plaquer. Donc là, ça va faire quand même pas mal d'épaisseur parce que j'ai le tissu enduit, le passepoil, la fermeture, la toile à sac. Voilà, j'ai beaucoup de choses ici, mais c'est pas grave. Donc je place hop, mes marges au dos de la pièce, en fait, comme ceci. Hein. Hop. Et je peux placer une pince pour qu'elle reste en place. Voilà. Est-ce que ça va chez vous? Ça a l'air d'aller, il n'y a pas de question. Alors, ici, je vais réaliser une surpiqûre, d'accord? Pour bien fixer ma marge en place, je vérifie. Je crois que de mémoire, elle est à 0,5. Hop. Je vous dis ça. Alors, tac, tac, tac. Oui, à 0,5 du bord. OK? Tout va bien ici? Alors, ici, comme ma pièce est en place, je peux partir de n'importe quel sens, peu importe. Et je vais venir me mettre ici. Donc moi, je vais viser, je vais mettre le bord ici au milieu de mon pied et je vais décaler l'aiguille. Parce que sur ma machine, je peux décaler tout à gauche ou tout à droite. Donc je vais aller le plus à droite possible. Mais vous, vous mettez comme vous êtes bien. Corinne, si tu suis... Corinne, c'est ton prénom, c'est Vincenzo et c'est Corinne. Ou alors, rien à voir. Et ce sont les prénoms de tes enfants, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, on y va. Hop, on va voir. Et je viens. Donc là, attention, quand j'arrive ici, je me trouve avec le passepoil, la fermeture. J'ai beaucoup de choses à traverser. Donc j'y vais doucement. Ok. Est-ce que tout va bien? Donc là, cette couture, elle est ok. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vois que certaines nous rejoignent et demandent ce qu'on est en train de faire. Oui, elle est géniale à coudre, hein, cette toile à sac, Claire. Je la trouve aussi super. On est en train de coudre le sac banane Charlie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est la version classique, d'accord, avec l'empiècement devant. Parce que c'était un peu la plus technique, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc, si je vérifie, là, tout va bien. Je me retrouve avec ma poche ici qui est doublée, qui est jolie, d'accord. J'ai un petit trou là parce que j'avais un petit décalage, mais c'est pas grave. Que je vais le compenser, parce que là, je le retrouve ici, donc on va le compenser ensemble. Hop là. Et mes côtés qui sont en place. Est-ce que tout va bien pour vous? Dites-moi. Moi, je vais continuer à avancer, donc je vais éliminer cette partie-là qui me gêne. Donc toujours même chose, j'utilise pas mes ciseaux pour couture, hein. Ça c'est mes ciseaux
universelle. D'ailleurs, ce sont des ciseaux beaux, hein, que je suis en train de tester en ce moment, que je trouve pas mal. Je vous en parlerai plus tard. Voilà, hop. Donc là, j'y vais et je fais attention de ne pas me couper les doigts, c'est mieux. Alors, on est sur quelle longueur de points sur les côtés? Véronique, moi, j'ai cousu à 3. Tu vois, en fonction de ta machine, moi, j'aime bien coudre un peu allongé. Bon, après, ici, ma toile à sac, elle n'est pas très épaisse ni mon enduit. C'est plus que au niveau du passepoil, j'ai de l'épaisseur. Donc, autour de 3, je pense que ça va. Après, ça dépend des matières que tu utilises. Hop! Voilà, donc là, je suis prête, je vous attends. On va maintenant s'occuper de ça, qui me dérange. Hop! Je range mon petit bazar en vous attendant. Hop là. Donc, nous en sommes là. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette phrase dans le tuto, parce que ça dépend en fait de la fermeture que vous utilisez, si vous la passepoilez ou pas. Plus on a quelque chose de haut ici, plus on peut créer du décalage ici. C'est tout à fait logique. Donc, je vous lis ce que j'ai écrit. Les pièces des côtés doivent normalement créer un alignement avec l'arrondi du bas de la pièce. Est-ce que c'est le cas? Pas vraiment. Pas vraiment, vraiment. Si ce n'est pas le cas, utilisez le gabarit de la pièce BP pour retailler le bas de la pièce et qu'elle s'aligne parfaitement avec les pièces de côté. Donc, c'est ce qu'on va faire. Virginie, c'est quoi la toile à sac? C'est cette matière-ci. C'est une toile que je propose sur la boutique. Donc, c'est une toile qui a un bon maintien, tu vois, ça se tient bien quand même. Par rapport là à l'enduit, tu vois, qui va un peu plus s'écraser, la toile à sac, elle est plus rigide. Elle n'est pas trop épaisse et surtout, elle est imperméable. Donc, ça rend ton ouvrage imperméable, voilà. J'en ai mis sur certains kits, d'autres sont en simili et coton. Il y a un peu de tout sur la boutique. Hop, et la toile à sac, je la propose aussi en coupon. Donc, si vous avez déjà un tissu, par exemple, ici, qui vous plaît et que vous avez besoin juste de toile à sac, dans une bande, vous pouvez prendre un coupon de 25 par le lest. Par exemple, vous pourrez faire toutes les tailles de banane jusqu'à taille 4. Donc, voilà, si vraiment vous avez envie d'essayer cette matière, c'est pas, elle n'est pas très, très chère en plus. Alors, je vais du coup rattraper mon décalage. Donc, ma pièce BP, bas de poche, elle est là. OK. Et je dois me débrouiller pour que... Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, les pièces de côté viennent s'aligner avec la pièce de bas de poche. Donc en fait, simplement, comme on a les marges de couture, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de me poser là. Comme on a les marges de couture, on aligne le bord de la pièce ici avec, vous voyez là, la pièce qui dépasse la pièce de côté. Oh, donc je viens l'aligner ici. Si vous faites comme ça, vous voyez qu'elle s'aligne parfaitement là. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est la placer comme ça, de manière qu'elle s'aligne. Donc, je la place sur les côtés, hop, ici, pour que le bord ici s'aligne avec cette pièce. Et je vais venir retailler ça. Donc, pour retailler, on va faire ça bien quand même, on va essayer. Hein. Donc, je vais prendre mon crayon textile qui est là. Et je vais venir, hop, tracer. Et donc, je compense le petit décalage que j'avais tout à l'heure, c'est pas un problème. Tac, et je viens du coup couper avec ma paire de ciseaux. S'il y a une différence, c'est un manque de précision lors de la coupe. Alors, il y a deux choses. Oui, un, il y a un manque de précision lors de la coupe, parce que moi, j'ai coupé ça en 15 minutes avant le live. Mais aussi, ici, en fonction de la marge de couture que vous allez réaliser, là, au niveau de votre fermeture. D'accord? Celles qui vont avoir tendance à venir coudre au plus près de la fermeture, comme par exemple Laetitia qui nous regarde, elle, elle ne va pas avoir forcément de décalage ici, peut-être. Non, elle, ça va se mettre parfaitement. Moi, j'ai mis un passepoil et je n'ai pas cousu hyper proche mon passepoil, vous voyez, du zip. Du coup, ça me rajoute du décalage en hauteur, c'est normal. Donc, deux choses, la découpe et aussi la fermeture. Dès qu'il y a une fermeture, je ne peux pas anticiper la hauteur que vous allez utiliser. Même si je l'anticipe, je ne peux pas anticiper votre marge de couture. Donc, souvent, quand il y a une fermeture, je vous fais retailler, c'est le plus simple en fait. Hop, et donc je viens ici et je retaille. Donc là, je prends mon temps, d'accord, pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc là, j'ai maintenant une pièce qui est parfaite. Ok. Et vous voyez que mon fond de poche, lui, c'était au bon endroit. Donc, du coup, ce que je peux faire pour la suite ici, c'est réaliser une petite coussure de maintien à nouveau pour venir les pièces ensemble, ok? Mais là, normalement, ma pièce, elle a la bonne taille et elle est prête. Ah, tu vois, c'est... Laetitia dit, c'est vrai que j'ai jamais eu de décalage sur Charlie. Laetitia, c'est une des nos testeuses, d'accord? Elle aime beaucoup coudre les pièces au plus près du zip, toujours parfait, nickel, droit. Du coup, elle n'a pas de problème. Moi, j'aime pas ça du tout.
Eh bien, Karine, je suis contente qu'il soit archi fan du résultat. Là, on commence à projeter notre sac hein, dans notre tête. On se dit, waouh, ça va me donner ça. Donc, hop, je refais une petite coupure de maintien, du coup, ici, pour ne pas être gênée par la suite. Parce que, surtout, si vous avez recoupé, pensez vraiment à la faire. Parce que, pour l'étape finale, c'est mieux de ne pas avoir toutes les couches qui se promènent. C'est là un peu technique. L'assemblage, il peut être un peu... faudrait partir de l'envers, tout ça, c'est pas évident. Donc, du coup, si vous faites ça, ça va vous faciliter la suite. Donc notre face avant, moi j'ai perdu mon coup de fil, c'est normal. Hop. Tac, notre face avant, elle est terminée, elle est jolie en plus, c'est chouette. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc j'obtiens ça, donc ma face avant, d'accord, avec ma poche doublée. Pour le coup maintenant, elle est cousue jusqu'en bas, voilà, et j'ai ma face avant de réaliser. Donc, du coup, elle va venir se mettre un peu incurvée hein, quand le sac va être cousu. Et celle-ci, je peux la mettre de côté. Voilà. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Dites-moi si vous avez des questions, quoi que ce soit, c'est le moment. Donc ici, on vérifie que j'ai bien fait mes petits repères, d'accord? Ici, là, le cran de zip, ici, et la pièce de passant. Mon cran de zip, j'ai fait un petit cran. La pièce de passant, c'est ici. Pareil ici. Tac et tac. Donc voilà, ma pièce, elle est terminée, je suis prête. Donc, je vous dis pour demain ce qu'il va falloir faire, parce que bien sûr, je n'ai pas sorti mon tissu, d'accord? Pour doubler cette pièce, je ne vous ai pas mis de gabarit de cette pièce-ci. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de chacune, comment elle a cousu, vos marges de couture, si vous avez cousu plus ou moins près, etc. Donc, en fait, vous allez vous servir de cette pièce comme d'un gabarit pour demain, il va falloir couper votre pièce de doublure. Donc, simplement, comment vous faites? Vous placez votre tissu de doublure face à vous, donc on imagine qu'il est ici, d'accord? On va imaginer que c'est mon tapis, hop, que c'est mon tissu de doublure. Et je vais venir mettre mon gabarit dessus. Vous pouvez épingler ou mettre des pinces. Et vous tracez le tour et vous découpez cette pièce dans le tissu de doublure. Elle doit avoir exactement la même taille. Okay. L'endroit sur la toile, c'est quoi, Béa? C'est la partie qui est maillée. Tu vois, je ne sais pas si tu vois bien là. On voit une petite maille. Et de l'autre côté, ça, c'est l'envers. Voilà. Donc pour demain, petit devoir, il faut couper à l'aide de cette pièce, vous coupez une pièce dans la doublure, vous en servez comme d'un gabarit. Hop. Donc pour ça, tout va bien, donc on n'a plus besoin de ces pièces-là, hein. HP, BP et FP, elles sont assemblées, C1 et C2 aussi, donc on se les met de côté pour un autre ouvrage, on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Alors là, on va deux options, on va, je pense, préparer d'autres pièces, je vais revenir avec vous. Youp, voilà, je reviens par là, j'espère que ça va bien chez vous. Bon, moi j'ai du fil partout, tout est normal. Voilà, ça va, tout va bien, votre pièce de face avant prend forme. N'hésitez pas à mettre des photos aussi hein, sur les réseaux, tout ça, sur le groupe d'entraide ou même en me taguant, j'aimerais bien voir ce que vous faites. Parce que j'aime bien savoir ce que vous faites aussi, imaginez. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc ça, c'est notre pièce de face avant, on s'en resservira demain, d'accord? Et petit devoir, pour demain, je rappelle, il faut la couper dans la pièce de doublure. Donc, vous en servez comme un gabarit et vous coupez la même pièce. Donc, moi, je vais la mettre de côté. Donc, maintenant, deux options. C'est ce que j'avais mis dans mon cahier et que je n'ai pas apporté. Je vais enlever mon bazar. On va préparer les pièces pour demain parce que je pense que, comme ça fait déjà une heure qu'on coud, on ne va pas coudre maintenant la grande fermeture. On va se la garder pour demain quand on sera toute fraîche et reposée pour la suite. Donc, du coup... Je vous propose, il y a deux choses qu'on peut préparer, on va faire ensemble. On va préparer la pièce de doublure et on va aussi préparer la pièce arrière. Donc, on va commencer par la pièce, je ne sais pas, allez, de doublure, ok? On va préparer notre poche, c'est celle-ci. Donc, c'est la poche qui s'appelle PI, d'accord? Donc, on va la préparer, mettre les pressions pour que demain, on soit tranquille. Hop! Je vais faire mon passepoids, dois-je le faire dans le biais ou pas? Alors ça, c'est une grosse question, Béa. Moi, je le fais jamais dans le biais, je dois t'avouer, parce que c'est pas un ouvrage. Par exemple, c'est pas un col sur un t-shirt qui va tomber parfaitement. Là, on demande juste que ce soit droit, donc tu n'es pas obligé. Les buristes te diront qu'il faut, mais toi, tu fais comme tu veux. Oui, oui, Laetitia, je me suis assortie à mon atelier, j'y ai pensé, je trouvais ça mignon pour aujourd'hui. Tu as l'œil. Alors, on va s'occuper de notre pièce de doublure, de poche de doublure. C'est PI. Attendez, j'ai oublié mon petit bazar. Voilà. Donc pour ça, on a besoin de plusieurs poches, d'accord, plusieurs pièces, pardon. On a besoin
de la pièce D, ici, d'accord ? C'est la pièce de doublure. Et on l'a, c'est une pièce qu'on a reconstituée, d'accord, sur les pointillés. Et on s'en sert reconstituée. Vous voyez, là, j'ai mis du scotch, parce que il y a D1 sur 2, vous êtes à l'envers, hein, D2 sur 2. Salut Marianne, est-ce que ça va ? Donc du coup, j'ai besoin de cette pièce, la pièce D, d'accord ? Donc je vais me la mettre de côté. Et j'ai besoin des pièces de poche intérieure. Donc c'est pays, pareil, que j'ai reconstitué. Pays, on l'a coupé deux fois dans le tissu de doublure. Ok, donc elles sont là. Voilà. Et bien, bienvenue Marianne. Donc du coup, je vais prendre les pièces pays. Et j'ai un petit peu avancé, j'ai triché. Mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc sur notre pièce pays, on a ici deux repères, d'accord ? Ici, repère centre pression mâle. Vous le voyez ici, c'est le petit point, d'accord ? C'est le repère de centre de pression. Donc ce que vous faites, vous placez la pièce face à vous, donc une pièce pays. Vous mettez l'envers face à vous. On va le mettre des deux côtés de toute façon, ok ? Hop, je vous montre ça. Eh bien, Nicole, tu peux commencer par regarder et les prochaines fois, tu vas coudre avec nous. Ça, c'est un ouvrage, c'est vrai, de niveau intermédiaire, mais on a d'autres ouvrages plus simples qu'on pourrait faire ensemble. Donc, j'y penserai parce que ça me ferait plaisir pour les débutantes aussi de proposer d'autres choses. Alors, notre pièce pays, poche intérieure, je la mets, c'est l'envers, hein, face à moi, d'accord ? J'ai triché, c'est déjà fait, mais je vais vous expliquer. Je positionne mon gabarit dessus et, hop, à l'aide d'un crayon textile, je viens marquer le centre de repère de pression. Vous voyez, donc moi j'ai fait un trou et j'ai juste appuyé comme ça pour avoir le repère qui se marque de ce côté. Ok ? Pareil, de l'autre côté, hop, j'ai mis mon petit repère. Ensuite, ce que je viens faire, donc j'ai pris mon tapis et vous, il faut allumer votre fer à repasser. Donc ça, c'est mon tapis de presse. Je viens mettre ma pièce sur mon tapis et je vais venir y coller. Attention, je passe, désolé, hop. Deux petits morceaux d'entoilage, c'est de la H250, d'accord. Normalement, vous avez la pièce qui s'appelle RP, je pense, renfort de pression à couper. En fait, ce sont deux petits carrés, vous n'avez pas vraiment besoin du gabarit. Moi, je vais les couper pour la pièce D, hop, parce qu'il faudra faire la même chose. Donc, vous coupez deux petits rectangles, d'accord. Sinon, vous servez, vous faites des choses bien, vous servez du gabarit, c'est bien aussi. Qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai mis mes repères ? Ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc, je repère le côté qui a la colle sur mon petit repère ici. Enfin, mon petit repère, ma petite pièce. Donc, là, le côté qui a la colle, c'est le côté qui est brillant. Là, on le voit. Et donc, je viens, hop, le mettre endroit contre endroit sur mon repère pour le recouvrir. Alors, je vois qu'il y en a qui parlent du magazine Sunfleur. En fait, le patron Charlie était sorti dans le magazine Nice Tendance au mois de décembre, je crois. Et c'était une version simplifiée de ce projet. Donc, du coup, vous n'avez pas cette pièce-là dans votre patron. D'accord ? Si vous voulez le faire quand même, c'est possible. Je vais vous expliquer parce que vous avez quand même pris le modèle. Donc, si vous voulez le faire quand même, vous créez une poche. Rapidement, je vous explique la marche à suivre. Vous prenez la pièce D qui correspond à la doublure, d'accord ? Hop ! Et vous allez la réduire un petit peu. Donc moi, je l'ai réduit, je pense, de... Oui, comme j'ai hyper bien découpé, là, vous voyez très bien que rien n'est droit. Hop ! Je pense que j'ai dû la réduire de 1, d'accord ? Donc vous pouvez utiliser la pièce D ici et la réduire de 1 cm pour vous créer le gabarit de la poche, ok ? Comme ça, vous pourrez le faire aussi. Donc la poche devient la pièce PI. Ensuite, je vais vous indiquer la hauteur des repères dessus, comme ça, si vous avez envie de le faire. Donc, sur la pièce pays, hop, mon repère, il se trouve à 2 cm du haut. Ok ? Après, là, vous essayez de centrer à peu près pour mettre de pression. On n'est pas à 2 mm près, vous faites comme vous voulez. Ok ? Mais à 2 cm du haut. Donc, je reprends où j'en étais. Une fois que vous avez cette pièce-là, alors bien sûr, vous ne pourrez pas le faire en 2 minutes, mais vous pourrez avancer pour la prochaine fois en regardant le replay. Vous prenez votre petite pièce de renfort pression, vous le positionnez sur votre repère. Vous voyez, mon repère, il est là. Moi, je l'ai déjà mis, mais c'est pas grave. Hop. Hop, vous mettez la colle et avec votre fer à repasser ou votre presse que j'ai éteinte qui est là-bas, parce que je vais avoir assez de fil. Non, pas du tout. J'arrive pas jusqu'ici. Hop. Vous venez mettre un petit coup de fer pour fixer en place
mon renfort de pression. Alors, si vous utilisez l'enduit, c'est pour ça que je l'ai fait avant le live, pour être sûr. Vous pouvez passer le fer dessus, du côté en vert, tranquillement, il n'y a pas de souci. Moi, ça n'a pas fondu du tout. Hein. Le but, c'est quoi? C'est de renforcer cet emplacement, parce qu'on va avoir une pression qu'on va clipper et déclipper pour éviter d'avoir un trou au final. D'accord? Donc, vous placez les deux petits renforts de chaque côté. Vous passez un petit coup de fer à repasser pour les fixer en place ou un petit coup de presse. Donc, j'obtiens ça. Donc, une fois que ça, c'est fait, sur ma poche, je vais venir aussi marquer l'emplacement de l'autre côté parce que forcément, tout à l'heure, je vais venir traverser avec la pression et là, je ne vois pas où est mon repère. Donc, je vais venir me marquer quand même aussi sur l'endroit. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Je vais essayer d'utiliser la partie claire du stylo. On ne la voit pas parce qu'il y a du blanc. Hop, voilà. Et de l'autre côté aussi, ok. Herminia, merci beaucoup pour tes étoiles. Donc, je pense que c'est là. Voilà. Donc, j'ai deux petits repères sur le côté endroit aussi. Ça va bien pour tout le monde. Vous voyez, je suis en train de m'étaler, d'en mettre partout. Tout est normal. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma deuxième pièce PI. Je vérifie que c'est la bonne taille. Oui, c'est celle-ci. D'accord. Où peut-on acheter le petit tapis de repassage Marido? Alors, c'est le tapis de la presse Cricut. Donc, c'est la marque Cricut. On peut le trouver sur tous les revendeurs Cricut. Moi, j'achète généralement mon matériel chez Creative Découpe. Mais je pense que tu peux la trouver un peu partout. Ça, c'est la petite et il y en a une grande. Moi, j'ai les deux. Je t'avoue, la petite, je m'en sers comme ça en live. Mais j'aime bien la grande aussi quand j'ai des grandes pièces à entoiler. Alors, est-ce que tout va bien pour vous? Vous êtes en place, c'est bon? Alors, on y va. On prend la deuxième pièce PI. Et on vient la mettre endroit contre endroit sur l'autre. Ok? Et je vais venir mettre des pinces sur le haut de ma pièce pour les maintenir ensemble. Poisson rigolo, je te dis à demain pour la suite ou peut-être en replay. Bon week-end. Hop, voilà. Bon, allez, on va faire ça bien. On va mettre des pinces partout pour ne pas avoir de décalage. Est-ce que ça va bien chez vous? Dites-moi. Hop là, voilà. C'est bon pour vous? Donc là, j'ai les deux pièces PI. Endroit contre endroit. Ok? Voilà. Je vais rouvrir mon tuto pour vérifier ma marche de couture. Donc là, dans le tuto, si vous avez devant vous la version papier ou une tablette, je vais vous dire la page, comme ça vous pouvez vous noter si vous voulez mettre des annotations, on ne sait jamais. On revient en arrière, je suis page 20, d'accord? Donc étape 3, préparation des différentes pièces. Je n'ai pas tout fait dans l'ordre exprès parce que moi j'aime bien faire en fonction de ce que les impératifs. L'impératif, c'était la face avant. Et ensuite, je reviens sur les autres choses moins impératives pour demain. Alors, une fois que j'ai placé tout ça, donc je mets endroit contre endroit et je viens réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce, d'accord? Ça, c'est la pièce ici, là, qui traîne, c'est la pièce D. Je vais la mettre de côté. Ok? Top. Donc, j'ai pas besoin de mon pied pose fermeture. J'ai besoin d'un pied classique ou pied téflon à roulette parce que je travaille l'enduit ou pied téflon. Vous utilisez ce que vous avez à la maison. Ok? Et je viens réaliser ma couture au point droit. Donc je remets mon aiguille au milieu parce qu'elle y était plus. Et moi je vais mettre mon point à 3 parce que j'aime bien. Voilà. Vous pouvez coudre à 2,5. Mais en fait, comme moi je suis un peu flemmarde, j'aime pas découdre. Donc quand c'est 2,5, c'est dur avec le découviteur. Je l'ai même pas sorti. J'espère que je vais pas me porter malheur d'en parler. Hop, voilà. Allez, on y va. Donc là, on fait une couture au point droit sur le haut de la pièce à 1 cm. Donc, toujours même chose, hein. On a une pièce courbe, donc on accompagne notre pièce au fur et à mesure. En essayant de ne pas créer de décalage, en essayant, parce que l'enduit ça glisse, et moi je suis la pro du décalage. Hop! Voilà, je coupe mes petits fils qui dépassent. Et voilà ce que ça donne au dos. Vous voyez que là, donc moi j'ai pas mis très bien mes pièces, donc celle-ci je suis passée, et là je suis passée dessus, mais c'est pas grave. On les a mis maintenant, comme ça elles sont prises aussi dedans.
Claire, elle nous fait l'assistante, elle nous envoie aussi chez Créatif Découpe, c'est gentil Claire, merci beaucoup. Alors, du coup, on est comme ça, ok, et là, on va venir mettre les deux pièces envers contre envers. Donc, comme on est sur une pièce qui est courbe, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits crans dans la marge de couture pour aider la pièce à mieux se positionner. Alors, idéalement, il aurait fallu sortir mes ciseaux crampeurs, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire comme ça avec ma petite paire de ciseaux, voilà. C'est pour aider la pièce dans les arrondis à bien se positionner. Donc hop, je viens et je fais des petites encoches. Alors, je viens pas jusqu'à ma marge, jusqu'à ma couture, regardez. Je m'arrête avant pour être sûre de ne pas la couper. Juste pour aider le tissu à mieux se positionner une fois que je vais l'avoir retourné. Hop. Salut Marie-Pierre, ça va? Tac. Donc une fois que j'ai fait ça, pour celles qui arrivent, on est en train de faire la pièce de poche intérieure, donc c'est PI. Une fois que j'ai fait ça, je rabats mes deux pièces en droit, envers contre envers, pardon. Si je travaille en coton, je peux bien sûr mettre un petit coup de fer à repasser. Ce sera très bien même, mais moi je travaille l'enduit, donc je ne vais pas le faire. Et je peux placer, hop, passe. Donc j'aligne bien mes côtés, d'accord? Hop. Voilà. Et là, je prends mon temps pour bien tirer le tissu. Vous voyez, ce qui ne se met pas correctement la matière. Donc je prends mon temps pour essayer de bien aligner le bas de la pièce et le haut et d'avoir quelque chose d'assez net. Parce que c'est ce qui va être au niveau du haut de la poche. Donc j'aimerais bien avoir quelque chose de joli. Si vous voulez, c'est aussi possible de placer du passepoil. Mais attention, parce que ça va faire de l'épaisseur. Ici, sur les côtés, au niveau de l'assemblage, et comme c'est un ouvrage, il y a quand même pas mal d'assemblage de côtés. Peut-être, si c'est votre premier, vous ne lancez pas tout de suite dans le passepoil. C'est pour ça que j'en ai pas mis. Merci, Reine Margot, pour ces étoiles. J'aime beaucoup ton pseudo aussi. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, je positionne tout ça. Donc, j'essaye d'aligner quand même pour que le bas soit bien. Ça a l'air d'aller. Je peux mettre plus de pinces pour éviter de créer du décalage. Donc là, ma pièce, elle est prête à coudre. Ok. Donc là, je vais réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord. Pourquoi 0,5? Parce que ici, j'ai mon petit repère de pression, vous voyez, qui se rapproche du haut. Donc plus je vais venir là, plus je vais aller avoir ma couture qui va être derrière ma pression. Ça peut être très joli. Là, j'ai une marge de couture, je vous rappelle ici, de 1. Donc l'intérieur, là, la marge, elle descend jusque là à peu près. Mon but, c'est de la fixer ensemble, donc 0,5, ça me semble pas mal. Si on veut mettre du passepoil, comment se placer une anneau? Et bien simplement, si tu veux mettre du passepoil, je te montre sur la pièce D, comme ça, hop, il faut que tu viennes, j'ai un bout de passepoil qui traîne, prendre ton morceau de passepoil, d'accord, le positionner au niveau du haut de la pièce, mais il faut que toi, ensuite, tu aies un assemblage à 1 cm. Donc ça veut dire que si ton passepoil, comme moi, il doit faire moins d'un centimètre de largeur, il faut que tu le décales pour que la couture présente sur le passepoil se trouve à 1 cm du bord. Voilà, tu pré-couds ton passepoil avec une couture de maintien et ensuite tu mets tes deux pièces endroit contre endroit et tu viens piquer à 1 cm. Alors, on y va, on fait notre surpiqûre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va bien? Ok, ça a l'air d'aller. Donc moi, je vais allonger mon point. Pour surpiqûre, j'avance toujours mon point et je positionne bien mon pied au bord. Et je vais venir décaler l'aiguille. Alors moi, je vais le positionner plutôt comme ça. Je vais positionner le bord. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois des petits cœurs. Merci pour ces petits cœurs, c'est adorable. Vous positionnez là le milieu du pied parce qu'il est marqué, je vous montre. Celui-ci, c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Regardez. Là, j'ai un petit cran au milieu de mon pied. Donc, je vais venir positionner le cran, vous voyez, ici. Je ne sais pas si je suis en face, pas du tout. Le petit cran du milieu qui est là, vous le voyez. Là. Hop, je vais le positionner ici. Et je vais en fait décaler mon aiguille sur la gauche. Vous vous mettez comme vous êtes à l'aise, hein. C'est important. Hop, moi je travaille mieux comme ça, mais faites comme vous voulez. Alors, moi mon but va être ensuite de garder mon repère au bord, pendant toute ma couture. Je regarde un petit peu vos commentaires. Merci beaucoup Régine pour tes étoiles, il y en a beaucoup en plus, merci beaucoup, c'est adorable. Alors, on y va, c'est parti. Donc, là je suis à 2,5, donc c'est pas assez, moi je vais me mettre à 3,5, j'ai mon coude rallongé. Je ne vais même pas regarder ma tension de fil. Je vais la mettre à 5, on verra bien.
Donc je fais mes petits, un petit point avant-arrière pour sécuriser ma couture et j'y vais. Voilà. J'essaye de rester bien régulière, c'est pour ça que j'ai pris un repère sur mon pied. Et je viens. Je pense que je me suis mis à plus de 0,5, mais c'est pas grave, tant pis. Je continue et j'y vais. Ça que j'aime bien dans mon pied téflon à roulette, c'est qu'il y a quand même un bon entraînement avec cette roulette là, parce que vous avez vu, d'un côté j'ai de l'épaisseur et d'un côté j'en ai pas, et la machine passe sans problème. Un petit point arrière et c'est fini. Hop. Voilà. Ah, alors, je vois que ça discute pièces zippées. Hop, je regarde. J'ai pas vu la question. Alors, zipper à l'intérieur, j'ai jamais fait encore. Oui, alors, il y a une option. Je vous ai pas sorti les sacs bananes. Je vous le montrerai demain si vous voulez, parce que je sais pas où je les ai mis dans mon déménagement. En fait, il y a une option. Séverine, tu peux allonger ton point. Moi, je l'ai mis à 3,5. Tu peux le mettre à 3, 3,5, comme tu veux. Il y a une option pour que cette poche soit zippée dans le sac banane, d'accord? C'est dans le pack additionnel. Je vous explique tout ça. Là, on va pas le faire pendant le live, sinon ça fera un live trop long. Mais sachez que c'est possible d'avoir une poche zippée dedans. Je vous montrerai, je l'ai fait sur ma version ado. Je vous montrerai demain. J'essaierai de sortir mes protos pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la pièce comme ça. Je vais dézoomer. Youp, là. D'accord ? On se retrouve avec la pièce comme ça. Et on a ici, dedans, nos renforts qu'on a mis tout à l'heure. Donc là, notre pièce, elle est prête. Bonjour Jade. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poser nos pressions mâles. Je crois que c'était les mâles, je vérifie. Comme ça, je ne vous dis pas de bêtises. Tac. Alors, une fois qu'on a fait ça, mâle, c'est ça. Et... moi, je crois que j'avais sorti des pressions. Où sont-elles? Elles sont là. Catherine, le pied téflon à roulette. Oui, il est vendu par Veritas. Mais en fait, au niveau de l'accroche ici, c'est assez classique. Donc, je sais que ça passe sur les machines Brother. Singer, sur ma Toyota aussi, je l'ai essayé. Il n'y a pas de problème. Donc, a priori, tu devrais pas avoir de soucis. Myriam, merci pour tes étoiles. Sauf si tu utilises une machine qui a un pied qui est plus large que la moyenne. Par exemple, moi, j'avais une Janome avant. Je crois que c'était la S5, elle avait un accroche plus large, du coup ça n'aurait pas convenu. Donc il faut que tu regardes, mais a priori ça peut marcher. N'hésite pas à demander sur le groupe, hein, parce que je sais que certaines l'ont déjà acheté, elles te diront si ta machine est compatible avec. Donc là, je vais venir chercher dans mes pièces d'hier, parce que j'avais mis de côté mes petites pressions, elles sont là, et je vais aller chercher ma pince. Hop. Avec Faf, je pense que ça doit être compatible. Peut-être que je pourrais poser la question sur le groupe si quelqu'un a une machine Faf pour te dire. Mais a priori, je pense que oui. Alors, ma pince. Voilà. Donc moi, j'utilise la pince de chez Prime. C'est la Prime Love, celle-ci. Je l'aime beaucoup. Et on va positionner. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, là, j'ai la machine et j'ai un condensé de bazar à peu près partout. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, ça commence à s'empiler partout. C'est normal. Hein. Je ne sais pas comment vous travaillez chez vous, mais chez moi, c'est comme ça. J'ai bien fait de faire un grand bureau, parce que je vais pouvoir m'étaler. Je vais me faire rire toute seule. Il y en a qui rangent tout bien, mais moi, ce n'est pas mon cas. Alors, on va poser nos pressions mâles. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un dessus de pression comme ceci, de deux même. Et la pression mâle, je vais vous montrer les deux, c'est celle-ci. Alors, les deux embouts différents, c'est ceux-là. D'accord ? Donc, la pression mâle... c'est celle qui dépasse. Voilà. Et la pression femelle, c'est celle dans laquelle cette pression va venir se clipser. Donc la pression femelle, vous voyez, elle est plutôt vers l'intérieur. Donc j'en ai pas besoin. Et là, j'ai besoin de mes deux pressions mâles, donc avec la partie qui dépasse. Alors, là, je vais venir. C'est pour ça que j'avais fait un repère sur l'extérieur aussi. Hop, je vais venir traverser mon tissu avec le pic. Là, et je traverse les deux épaisseurs. Alors, à moi, c'est de l'enduit. Alors, est-ce que ça va passer? Ça a l'air d'aller. Si c'est un peu dur, vous pouvez utiliser une pince pour trouer. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, j'ai traversé aussi, vous voyez, mon renfort ici de pression. Je l'ai traversé avec le pic pour avoir quelque chose de bien solide. Nathalie, prends ton temps pour ton démontage. Tu rattraperas en replay, il n'y a pas de souci. Vaut mieux démonter et être satisfaite de ce que tu as fait que d'avancer. Il n'y a pas de problème. Alors, ici...
Je viens mettre de ce côté, du coup, ma pression mâle. OK. Et ma pince, elle est comme ceci. Alors, toutes les marques, elles sont différentes, mais il y a souvent une partie comme ça, plate, avec un embout de l'autre côté. Donc, je viens mettre le dessus de pression, le mettre dedans. Vous voyez, ça correspond ici. Et je viens écraser le dessus. Alors, moi, je me mets bien à plat. Mettez-vous comme ça sur la table pour appuyer bien, que votre pince soit bien à plat pour qu'elle n'abîme pas cette partie-là. Donc, j'appuie au bout avec ma force. Et quand je sens plus de résistance, comme là, j'ouvre et je regarde. Vous voyez, et là, le pic central a été écrasé et tout va bien. Donc ma pression, elle est en place, elle ne bouge pas. Ok ? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, hein, si vous n'avez pas encore posé de pression. Sachez aussi que normalement, dans le tuto, je vous ai mis un lien vers ma chaîne YouTube où il y a des tutoriels d'aide, hein, quand il y a certaines étapes un peu de plus techniques comme celle-ci. N'hésitez pas à aller voir, à regarder plusieurs fois la vidéo. Hop, voilà. Vous voyez là, j'ai mon pic qui dépasse et une fois écrasé avec la pince, du coup, il est écrasé et la pression tient en place. Donc, je fixe l'autre en place aussi. Hop là. Et voilà. Donc là, je me retrouve avec mes deux pressions mâles en place. Donc là, je suis prête pour la suite. Est-ce que tout va bien chez vous? Donc, ma poche, ma pièce de poche, elle est prête. Alors, je regarde quelle heure il est, 11h30, ça va, on n'est pas trop en retard dans le timing, c'est chouette. Et donc là, on va s'occuper maintenant de notre pièce D de la même manière pour la fixer en place. Donc, je vois que ça discute de version additionnelle, n'hésitez pas s'il y a besoin de moi. Donc du coup, sur ma pièce D, même combat, même chose, je vais allumer hop, mon petit fer. On va faire exactement la même chose, d'accord? Donc à l'arrière de la pièce D, c'est la pièce de doublure. Je vais venir reporter les repères de la pièce D. Si vous travaillez avec le magazine, vous n'avez pas ces repères-là sur la pièce D. Donc je ne vais pas les mesurer, le plus simple. Je vais vous montrer comment tricher. Comme moi, par exemple, je ne vais pas reporter mes repères. Enfin, je vais les reporter quand même, mais je vais vous montrer comment tricher. Si vous travaillez sur la version du magazine, vous pouvez poser votre pièce D comme ceci devant vous, d'accord? Vous mettez la partie envers face à vous et vous venez prendre la poche PI que vous venez de faire, comme ceci. Et vous alignez bien tous les côtés, d'accord? Ce qui vous permet ensuite d'appuyer un peu sur les pressions. Bon, moi, je suis sur une surface molle, donc ça ne va pas marquer. Mais vous pouvez appuyer et ça vous permet de reporter le repère de où elle doit se trouver. Voilà, c'est le plus simple. Et donc, une fois que vous avez le repère, vous pouvez positionner de la même manière votre petit renfort. Hop, comme ça, exactement sur les repères. Voilà, si vous travaillez avec la version du magazine. Moi, je vais hop, venir faire ça. Alors, j'ai vu passer un petit commentaire qui va nous intéresser. Voilà, Cathy qui dit « Cathy Marion, j'ai une faf et c'est compatible. » Donc, le pied téflon à roulette est compatible avec les machines faf. Il suffit de demander. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, moi, je vais faire un petit trou. Alors, tout à l'heure, reporter mon repère. Hop. Tac. Voilà, et je vais reporter mes repères et je vais placer de la même manière sur ma pièce D mes petits renforts. Alors, hop. Là, ces repères-là, ils vous servent à mettre les renforts, d'accord? C'est pas pour mettre les pressions. Les pressions, il vaut mieux toujours mettre votre pièce en face pour être sûr, parce qu'en fonction de comment vous l'avez posée, parfois, ça peut pas coïncider parfaitement. Donc, je viens mettre, hop, la partie là, avec, j'avais coupé un morceau, mais c'est pas grave, la petite partie avec la colle sur mon repère. Ok, je vais devoir m'éloigner un peu parce que mon fil est trop loin, j'ai branché mon fer tout là-bas, et ça fait un peu loin, donc je reviens. Je le fixe en place. Voilà. Je suis pas loin, hein. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Je suis en train de mettre un petit coup de fer pour bien mettre mon renfort de pression en place. Donc, si vous travaillez de l'enduit comme moi, vous pouvez y aller, mais allez-y tranquillement. Pour ne pas laisser votre fer trop longtemps. Voilà. Moi, j'utilise la presse précale, je l'avais réglée à 2. Donc voilà, là je suis prête, mon renfort de pression est en place, ce sera pour mes pressions femelles tout à l'heure. Donc une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas reporter sur la partie extérieure, la partie endroit, mes repères parce que je vais travailler avec mes pressions. Hop, je vérifie où j'en suis dans mon tuto. Alors,
Donc là, je suis page 22, si vous voulez savoir où on se trouve, d'accord? Une fois que j'ai placé, hop, ici, mes petits renforts, excusez-moi, je viens positionner ma pièce PI, d'accord, qui est terminée ici, dessus. Donc, j'aligne bien la partie courbe de la pièce en bas, hop, et je me mets des pinces. Quelle est la température pour la presse Delphine? Moi, c'est une presse, ici, je ne sais pas si tu la vois, tu vois, elle a 3 niveaux, moi, j'ai mis à 2, voilà. Donc, je ne peux pas te dire la température sur celle-ci. Le but, c'est que ce ne soit pas trop trop chaud, mais quand même chaud quand même. Voilà, je ne t'aide pas vraiment, mais voilà. Hop, et je viens mettre ici des pinces. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de pinces, hein, d'accord? J'en ai mis beaucoup, pour pas que ça bouge. Donc, je me retrouve avec ma pièce comme ça. Donc, ici, j'ai la pièce D et ici, j'ai ma pièce de tout à l'heure, hein, ma pièce PI. Donc, je viens ici appuyer. Donc, je mets sur une surface dure, d'accord, sur mes pressions pour marquer mon tissu. Alors, moi, ça ne marque pas hyper bien. Et si on regarde bien, on voit que je ne suis pas pile poil sur mon repère. Parce que mon repère, il était ici et j'arrive ici. Voilà. C'est pas grave. Et je marque le centre de ma pression. J'appuie. Moi, j'aime mieux toujours être sûre comme ça. Je suis sûre que ça va coller. Donc, j'ai fait un petit repère au centre où ça doit tomber, là, quand je place mes pièces ensemble. OK. Et je viens ensuite rouvrir pour placer mes pressions femelles. Donc, même chose, j'ai besoin du pic. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour trouer mon tissu face à moi et être sûre d'être dans mon repère ici. Hop. Donc, j'arrive bien dans mon renfort. Donc, tout va bien. Et une fois que j'ai fait le trou ici, je viens mettre la pièce au dos. Parce que j'ai besoin que la partie clipsable soit face à moi pour clipser avec cette partie-là. Hop, voilà. Et ça, c'est la pièce, c'est la partie femelle. Donc, je vais venir avec ma pince ici, d'accord? Si votre tissu, il vous gêne, moi ça va, mais parce qu'il est mou. S'il vous gêne, vous pouvez le rouler un peu pour venir jusque-là. Et je positionne ma partie femelle. Je vérifie que ça se clipse correctement. C'est mieux. Voilà. Donc là, ça se passe bien. Hop. Donc, je crois que je ne l'ai pas assez appuyé. Je vais la appuyer un peu plus. Voilà. Et je positionne la même, l'autre exactement de la même manière. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Hop. Je fais mon trou et je passe par l'autre côté. Que ça se clipse. Voilà, donc ma pièce, elle est en place, elle est prête, ma pièce de doublure à être cousue demain. Enfin, demain ou lundi, on va voir comment on avance. Et là, ce que je peux faire, je peux replacer les pinces, hop, et je peux venir faire une couture de maintien sur tout le tour de mon ouvrage. Voilà. Donc, je fais une couture de maintien à 0,5. Alors, comme c'est de l'enduit, je ne veux pas que ça bouge, je peux mettre plein de pinces. D'accord? Et là, je vais venir coudre cette pièce pour pas qu'elle bouge. Comme ça, par la suite, à l'assemblage final, je ne vais pas être gênée avec le fait que ça peut bouger sur les côtés. Voilà. Et là, comme ça, on est prêt ensuite pour demain. Donc, une couture de maintien à environ 0,5, d'accord? Tant que vous êtes à moins de 1, c'est bien. Moi, je ne suis pas pile poil à 0,5. J'ai un point un peu trop allongé. Donc, doucement dans cette partie-là, doucement dans la partie courbe, parce que vous risquez de faire des plis si vous allez trop vite. Donc, on y va. Moi, j'aplatis bien mon tissu devant, enfin, mon matière, parce que c'est tout enduit. Tout enduit d'ailleurs que vous trouvez sur la boutique, hein, qui est très très agréable à travailler. Je l'ai choisi pour ça parce qu'il accroche pas trop au pied. Il est fin, mais il a un bon maintien. Je trouvais vraiment très très agréable et il a plein de coloris. Voilà, attends, point, je compte.
Donc ma pièce, elle est terminée et elle est prête pour demain, ma pièce de doublure. Comment ça va chez vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Oupla, voilà. Dites-moi comment ça va. Si vous voulez que je répète des choses, n'hésitez pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a fini notre pièce de doublure ici. Hop, et on a fait notre pièce de face avant qui se trouve ici. D'accord? Alors, elles n'ont pas du tout la même taille, c'est normal. Vous voyez là, je vous montre. Parce que la face avant du sac banane est plus grande que la face arrière parce qu'elle va du coup venir s'incurver comme ça. Donc pas de panique, ce n'est pas la même taille. Vous voyez, pas du tout même. C'est normal, tout va bien. Eh bien, merci Séverine, je suis contente que ça te plaise. Le but, c'est ça aussi, hein, c'est de répondre à vos questions pour que chacune puisse coudre son ouvrage en étant à l'aise et en prenant du plaisir. Donc, j'aimerais bien voir ce que vous faites, être une petite souris. Ça me ferait, voilà, j'aimerais bien voir, parce que du coup, moi, je suis de ce côté, mais de votre côté, ça a l'air d'aller, nickel. Béa, ça va, Muriel aussi, donc c'est bien. Allez, un dernier petit truc, et ensuite, je vais vous laisser, et je vous dirai à demain, on va préparer la pièce de poche arrière. Alors, Chantal, elle a posé une question. Peut-être que je n'ai pas répondu. Dis-moi, Chantal, si tu veux reposer ta question, parce que je ne l'ai pas vu passer, du coup. Et je te réponds avec plaisir. Avec plaisir, Julie. Mais c'est moi qui te remercie, parce que tu m'aides beaucoup. Alors, dis-moi, Chantal, n'hésite pas à réécrire ta question. Donc, nous, en attendant, j'avance et je vous explique ce qu'on va faire. Comme ça, pour demain, on aura toutes nos pièces de fête. Et il nous restera notre fameux rabat. Mais ça, on se garde en programme demain, quand on sera fraîche, reposée et... prête pour cette grosse étape. Alors, là, on va nous utiliser... Alors, Géraldine, je n'étais pas là hier, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper mon retard? Alors, Géraldine, hier, nous avons coupé les pièces, d'accord? Nous avons préparé la fermeture, la grande qui est ici, ok? Le passant pour porte-clé et les attaches des côtés. Donc, pour rattraper ton retard, tout simple... tu vas sur YouTube, sur le YouTube d'Odinette, et il y a une playlist que j'ai ouverte hier qui s'appelle Live Couture Sac Banane Charlie. Tu vas trouver le replay, d'accord, de hier. Comme ça, tu vas pouvoir revisionner pour faire ces pièces, ces étapes-là. Ou sinon, sur blog.dodinette.com, dans l'article Live Couture Sac Banane Charlie, je vais vous mettre les lives un par un en replay. Voilà. Alors, la pression de chantilly, c'était pourquoi le mâle devant et femelle derrière? Merci Julie. Eh bien, en fait, tu fais comme tu veux, chantilly. En fait, en gros, moi, je trouve que c'est plus facile de venir, quand on a ça au dos, venir insérer une partie, la mâle dans la femelle comme ça, que l'inverse. Mais en réalité, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est exactement la même chose. Tu fais ce que tu veux. Moi, je fais comme ça, mais tu peux changer. Pour la pub, je peux faire comment pour l'arrêter, Sylvie? Je ne sais pas du tout, parce que moi, je vois pas de pub, donc je ne sais pas, je ne vois pas de quelle pub tu parles, mais peut-être qu'il y a de la pub qui passe en live, je ne sais pas. Chantal, c'était cette question, demande Delphine. Dis-nous, Chantal, si tu avais une autre question. Voilà, merci Josette, elle dit qu'on a bien travaillé, tu vas pouvoir nous rattraper cet après-midi sans problème, j'ai bien vu que tu avais un souci d'impression de patron. On s'écrit après, si tu veux, pour essayer de comprendre d'où vient ton problème. Voilà, donc, on a fait ça. Hier, on a fait ça. On a parlé un petit peu des différentes matières. Je n'ai pas de pub non plus, Carole. Je ne sais pas. Moi, comme je n'ai pas la même interface que vous, comme c'est moi qui diffuse, je ne vois pas les mêmes choses que vous. Ah là, Karine a dit pour la pub, cliquez sur la petite croix à droite. Voilà. Alors, du coup, là, aujourd'hui, on a préparé nos pièces. Il ne nous reste qu'une pièce à terminer. Comme ça, à partir de demain, on ne fera que l'assemblage. Que. Voilà. Ah, je ne savais pas, Claire. Alors, du coup, on va faire cette pièce-là, d'accord? Vous avez la pièce, là, c'est la pièce de poche. Je crois qu'elle s'appelle PA, poche arrière. C'est une pièce, en fait, pour mettre quand vous portez. Donc, ça, c'est la taille 4, c'est la très grande. Hein. Quand vous portez votre modèle comme ça, vous pouvez mettre dedans votre téléphone portable ou ce que vous voulez, un portefeuille, pour l'avoir en fait contre vous et pas avoir à ouvrir tout votre sac pour chercher vos affaires. Donc là, on va faire la version simple, ok, ici. C'est la version qui ne ferme pas. Après, si vous voulez rajouter un bouton pression là, je sais que certaines l'ont fait, vous pouvez. Je vous indiquerai au moment du montage de la pièce comment faire. Ok. Et sinon, dans le fichier additionnel, vous avez une explication pour coudre une languette aussi ici. Aimanter et pouvoir mieux fermer. Parce que si vous mettez juste une pression, si vous faites la taille 3, par exemple, comme moi, bah, du coup, l'emplacement de la pression là, vous ne pourrez pas mettre votre téléphone peut-être jusqu'en haut. Voilà.
Donc là, on va travailler sur cette pièce. Alors, celles qui ont la version du magazine, vous n'avez pas cette pièce. Je vais avoir du mal à vous l'indiquer en taille parce que j'ai un peu galéré à la tracer. Et si elle tombe pas pile poil, ça risque d'être compliqué. Donc, je vous montre le montage. Si vous voulez essayer de vous la dessiner, vous pouvez. Mais moi, je ne peux pas vous donner les tailles parce qu'il y a trop de courbes. Ça va être compliqué. Alors, Nanou, elle demande, est-ce qu'il est possible qu'il... Alors... Est-il possible qu'il n'y ait pas de poche arrière pour la taille enfant jusqu'à 6 ans Nanou, c'est possible parce que c'était peut-être une toute petite mini poche, donc il est possible que je ne l'ai pas mise. Parce que quand j'ai cousu le proto, effectivement, parfois, ça ne va pas quand c'est un tout petit ouvrage. Donc peut-être, je crois qu'il n'y a pas de poche arrière. C'est possible. Donc tu n'as pas besoin de faire cette pièce. Donc du coup, pour la poche arrière, elle est facile. Je vous montre. Vous avez besoin de cette pièce-là. C'est la pièce PA, d'accord? La pièce PA, elle a des petits repères ici qui nous permettent de la centrer par la suite. Vous pouvez les placer si vous voulez. Moi, je ne vais pas les mettre mais parce que j'aime pas suivre mes propres tutos, mais c'est pas grave. Donc, la poche PA, on l'a coupée deux fois, d'accord? En miroir, comme ça. Donc, j'ai une pièce comme ça. Le but, c'est qu'elle vienne, hop, comme ça, comme ceci, ok? Donc, deux options. Si je ne veux pas mettre de passepoil, simplement... Je viens mettre les deux pièces comme ceci, endroit contre endroit, d'accord, en alignant le tout. Et je vais venir coudre une couture ici au point droit à 1 cm, donc dans la partie, voilà, côté courbe de la pièce, ici, d'accord. Si vous voulez placer un passepoil, et moi je vais le faire du coup comme c'est sur le tuto, eh ben, je vais vous montrer. On va d'abord placer notre passepoil et ensuite on va assembler notre pièce. Hop, donc je vais me réinstaller et je vais sortir mon passepoil. Et c'est parti pour passepoiler la pièce PA. C'est parti. Attention. Loup. Alors, donc c'est cette pièce-ci. Je cherche mon passepoil dans mon petit bazar. Voilà, et on y va. Donc on prend une des deux pièces, celle que vous voulez, puisque de toute façon elles sont identiques. Ok. Et je vais venir placer mon passepoil. Alors, je vérifie juste qu'est-ce que je vous ai mis dans le tuto pour ne pas vous dire quelque chose qui n'a rien à voir ou qui n'est pas bon. Alors, donc là, si vous voulez suivre le tuto, on est page 23. Et effectivement, c'est pour les tailles 2, 3 et 4 uniquement, parce que la taille 1, c'est trop petit. Donc, je viens placer mon passepoil. Je vais prendre la même pièce, du coup, que sur le tuto. C'est celle-ci. Je vais vous descendre un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Voilà. Je vais placer mon passepoil ici. Donc moi, il est plus long, c'est pas grave. Et je vais le décaler de sorte qu'il se trouve à 1 cm du bord de la pièce, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, comment on fait? Si vous voulez, soit vous vous marquez un repère à 1 cm, d'accord? Mais 1 cm, ça va être cette couture-là qui doit y être. Soit, un petit peu à l'œil, comme ça, je place mon passepoil et je mesure, en fait, pour que la couture présente sur le passepoil, ici, vous voyez, il y a une couture déjà, là, se trouve à 1 cm du bord. Donc voilà, à peu près, on n'est pas à 2 mm près, ok? Donc pour pas... Moi, j'ai un morceau de toute façon qui va être perdu, donc je vais le centrer, mais vous, si vous ne voulez pas gâcher votre passepoil, vous pouvez l'aligner comme ça. Hop, normalement, on n'a plus de besoin de passepoil pour la suite. Et puis cette partie-là, vous la gardez. Ouais, je vais d'ailleurs faire ça, allez. Hop. Donc je vérifie que je suis à peu près 1 cm, donc il faut le décaler, hein, parce que sinon votre marge de couture ne va pas être bonne. Et je viens placer des pinces. Tac. Voilà. Hop là. Je vérifie que je suis bien à peu près, hein, parce que ça risque de bouger un petit peu en plus. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux couper, ce qui me dérange, comme ça, ça ne me gênera plus. Moi, j'aime bien laisser un peu de marge, toujours. Pour ça, dans les kits aussi, hein, vous avez trop de passepoil, c'est normal, parce que j'ai pas envie d'être ricrac sur les côtés. Après, c'est pas trop joli. Alors, j'ai vu une question passer. La pièce extérieure, d'ailleurs, je me suis trompée, je l'ai mis à l'intérieur quand j'ai fait ma banane, c'est bien... de voir comment vous faites, merci. Et bien, parfait Marie, comme ça, ça te permet de voir. C'est vrai qu'en vidéo, c'est plus facile qu'en photo. Hein. Hop, de se rendre compte. Après, c'est pas très grave, c'était la même pièce. C'est juste que finalement, tu vas pas avoir la couleur que tu voulais ou la texture que tu voulais. Alors, j'ai perdu mon pied. Pose sur un mouture éclair. Je vais me l'installer ici. Et donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Là, je vais venir faire une couture de maintien. Hop, au bas.
Donc, soit je couds tout au bord, d'accord, de mon passepoil, soit je peux venir faire une couture un peu plus loin. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais la faire un peu plus loin. Voilà, je fais une couture de maintien comme le tuto, parce que si je voulais faire quelque chose et que je ne le fais pas, ça ne va pas du tout. Et je mets la couture toute la longueur. Donc, on est bon. Voilà. Donc là, on est OK. Une fois que j'ai fait ça, simplement, je viens prendre la deuxième pièce PA, poche arrière, et je viens aligner, d'accord, le bord au niveau de la partie incurvée et aussi le haut et le bas. On aligne en fait tout le bord de toutes les pièces. Et je viens ici, tac, avec des pinces, bien aligner le côté. Et là, je viens coudre au point droit ici, donc cette fois-ci au ras du passepoil. Donc vous vous mettez comme vous voulez. Là, j'ai ma couture de tout à l'heure qui n'était pas au bord. Donc je vais me remettre pour penser à être un peu, me mettre un peu plus loin et décaler. Hop. Après, certaines aussi coudent directement hein, les deux épaisseurs. Vous avez vu, des fois, je fais ça aussi sur mes tutos. Mais là, je vais faire tout bien comme il faut. Que les débutantes ne soient pas perdues. Donc là, je couds à 1 cm du bord. Je pourrais vous zoomer un peu parce que c'est un peu loin, là. Hop. Voilà. Et j'ouvre pour voir si mon passepoil il est cousu assez près. Donc là, je me rends compte qu'il n'est pas du tout, enfin pas du tout, c'est pas dramatique, mais il n'est pas très près, donc je vais repasser un petit coup. Je vais repasser en décalant mon aiguille pour venir encore plus près. J'aime bien vous montrer ce genre de choses parce que c'est vrai que j'ai vu qu'en atelier, certaines paniquent un peu quand c'est loin des cousses. Vous n'avez pas besoin en fait de découdre puisque vos coutures précédentes vont se trouver dans la marche. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, et ben voilà, votre passepoil là il est beaucoup mieux cousu. Et la couture de tout à l'heure, elle ne se voit pas parce qu'elle est dans la marche de couture ici. Elle a disparu. Donc c'est parfait. Voilà. Là, je vais venir ensuite. Dézoomer, hop, placer mes deux pièces envers contre envers, comme ceci, et j'ai bien mon petit passepoil qui souligne le bord. Hop. Je vais rouvrir mon tuto. Hop. Donc je suis là. Ok, donc maintenant on se trouve page 24 et on va venir réaliser une surpiqûre pour bien fixer la pièce en place. D'accord, donc là je vais mettre quand même deux petites pinces. Donc j'aligne bien les côtés, le bord de mes pièces, tout ça. Hop. Et pour pas que ça bouge, je peux même me mettre une pince au milieu si j'ai envie, comme ça. Ok. Et là, je viens de faire une surpiqûre au point droit, comme tout à l'heure, hein, exactement quand on avait surpiqué là, quand on avait surpiqué le bas de la poche et le haut, c'est exactement la même chose. Je vais venir et je vais coudre au point droit. Du coup, je change de sens mon pied. Voilà. Et je viens réaliser une couture au point droit ici. Bon, je suis restée à 3, mais je peux allonger mon point. Je peux allonger à 3,5 si vous voulez. Enfin, vous pouvez vraiment. C'est une histoire de goût après. Moi, j'aime les points allongés, mais 3, ça va aussi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc voilà. Là, j'ai ma pièce qui est prête. D'accord? J'ai bien fixé le bord. Voilà. Si vous réalisez la version du pack additionnel et que vous voulez mettre une languette, je vous invite à vous reporter à ces explications parce que avant de faire ça, il me semble, mais je suis plus sûre de ce que j'ai fait, il y a peut-être la pression à mettre, enfin le fermoir magnétique. Oui, alors Carole, si on veut mettre une pression, effectivement, tu peux le poser à ce moment-là. C'est-à-dire que
Par exemple, si tu sais que tu vas mettre ici ton renfort, enfin ta pression par exemple à peu près ici, d'accord ? Eh bien, il faut que tu viennes ici mettre ton renfort. Peut-être il aurait mieux fallu même le mettre avant. Mais sinon, tu n'es pas obligé. Sinon, ce que tu peux faire, si tu n'as pas mis de renfort, tu n'as pas anticipé, tu prends ton bouton de pression et tu traverses tout, d'accord ? Exactement comme tout à l'heure. Mais avant de le fixer, ici, tu traverses avec le pic. Ici, tu vois ? Tu vas venir mettre un petit morceau de simili-cuir entre les deux. Comme ça, tu vas traverser aussi le simili-cuir et ça va te faire un renfort de pression ici entre les deux qui ne va pas du tout se voir. Tu n'es pas obligé de mettre d'entoilage si tu veux. Tu peux mettre quelque chose qui traîne, un bout de toile, un bout de ouate, voilà. Comme ça, ça va bien être entre les deux et ça va être clippé, tu n'auras pas de soucis. Alors, je regarde ma suite et on a presque fini pour aujourd'hui. Donc là, on va venir positionner. Hop, pousser ça. On va avoir besoin de la pièce D en tissu extérieur. D'accord ? Donc c'est la même pièce que pour la doublure. Non, ça c'est PI. Elle est où ma pièce D ? Bah, comme je m'en suis servie, j'ai dû la jeter. Ah, elle est là, dans un coin. Elle est là, ta pièce D. D'accord ? C'est la même en tissu extérieur. Donc là, on travaille sur le dos de notre sac. À demain, Elisabeth. Du coup, j'ai imposé ma poche ici. Hop, comme ceci. Donc en alignant bien tous les bords. Oui, j'ai un mini décalage là, mais c'est pas grave. Pour créer ma poche. Alors, cette poche, c'est pour les droitiers, c'est-à-dire les gens qui vont avoir leur sac banane contre eux. Attendez, parce que moi, comme je suis dyslexique, je ne sais jamais ce que je trafique l'essence. Voilà, qui vont avoir leur sac banane ici. Contre eux comme ceci, d'accord ? Qui vont porter du coup sur l'épaule gauche pour utiliser leur main droite pour ouvrir. Donc hop, la poche elle va être comme ça. Si vous, vous êtes gaucher, c'est-à-dire que vous voulez positionner votre banane sur l'autre épaule, d'accord ? Il faut mettre votre poche comme ceci pour qu'elle soit dans le bon sens après sur votre épaule. Voilà. Donc si vous savez pas, si vous êtes droitier généralement, hop, mettez la poche comme ceci. Pour pouvoir avoir votre main droite pour venir chercher de ce côté. Voilà. Parce que ce sera comme ça quand vous allez zipper votre sac et venir chercher. Hop. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, on vient, on aligne bien, on essaye en tout cas, quand on a bien découpé ses pièces, c'est-à-dire pas comme moi, on aligne bien la partie courbe et le côté de la pièce. D'accord ? Ici. On place nos pinces pour bien tout maintenir en place. Vous voyez, là j'ai un petit... pas grave. Hop, voilà. Et je viens réaliser une couture de maintien au point droit à 0,5 cm sur tout le tour. D'accord ? Pas ici, sinon je ne pourrais plus ouvrir. Hein, on soit d'accord. Donc on peut mettre plus de pinces pour ne pas avoir de décalage, de tissu qui plisse, tout ça, tout ça. Voilà. Et si, comme moi, vous avez un petit décalage, vous pouvez vous mettre de ce côté. Pensez à bien tendre. Hein. Voilà, j'ai dû. Pensez à bien tendre la pièce. Vous pouvez vous mettre de ce côté si vous voulez suivre parfaitement la pièce. Voilà. D'où l'intérêt de bien couper sa pièce depuis le début. Oui, Claire, c'est un intérêt, sauf quand on est en retard pour son live et qu'on coupe tout 5 minutes avant, comme ça. Mais moi, je suis comme ça, je travaille mieux toujours dans l'urgence. Donc, je commence à me connaître. Donc, voilà. Je ne vais pas mettre ce pied. Où est l'autre ? Je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc là, on fait... une petite couture de maintien, donc à moins d'un centimètre, donc soit au ras, soit 0,5, d'accord ? Vous pouvez allonger votre point pour aider la machine, parce que c'est pas une couture qui va se voir par la suite, donc si elle est un peu allongée, elle n'est pas très jolie, on s'en fiche. On veut juste que tout tienne ensemble. Ce sera plus joli. Je pense que d'ici demain, je vais découdre et recoudre, mais ça, c'est pas grave.
Voilà. Donc là, ma pièce d'arrière de sac, elle est prête. D'accord. Elle est là. Donc j'ai bien ma poche qui est du coup prête à l'emploi. Cette pièce-là, je vais la mettre de côté pour plus tard. Donc si comme moi, vous avez ça, il faudrait coudre et répartir un peu mieux. Mais j'ai fait ça vite fait. Je ferai mieux pour demain. Voilà. Donc, toutes nos pièces sont faites. Elles sont prêtes. Je vous les remontre. Donc on a notre pièce de face arrière, notre pièce de face avant et la pièce de doublure. Donc demain, on sera opérationnel. On va créer demain notre abat. Donc il ne nous reste que deux pièces normalement. On n'a pas assemblé, je vous les montre, elles sont là. Donc c'est la pièce Z qui nous reste, c'est la pièce de rabat, d'accord, qui est coupée une fois dans la doublure et une fois dans le tissu extérieur. Donc il vous reste que cette pièce-ci qu'on n'a pas travaillée, où on se passe en occuper demain à tête reposée et on partira sur l'assemblage du sac. Voilà, donc on a tout préparé, on est prêt et prête pour l'assemblage. Hop, je vais remonter. Donc, est-ce que ça a été pour tout le monde? Dites-moi s'il reste des questions ou quoi que ce soit, je vous réponds. J'espère que ce live, ça a été pour vous, que vous en êtes bien sortis. Hop, et comme ça, demain, on va pouvoir monter ensemble notre sac banane. Alors, visiblement, il y a un petit couac sur l'heure. Je ne sais pas si j'ai mis 18h ou 18h30. Je pense que pour moi, 18h30, ce sera mieux. Comme ça, je suis sûre que j'aurais fait tout mon job de maman avant, tout ça. Voilà, mais je vais vous remettre quand même un petit rappel sur Facebook. Merci beaucoup, Nathalie, qui dit tes tutos sont super. Merci beaucoup. Je vous remercie. Moi, je prends du plaisir à les créer. C'est pour vous. Hein. Quand je vois ce que vous faites et tout, ça me fait vraiment plaisir. Catherine qui dit merci pour cette séance. Mais c'est moi qui vous remercie. Nanou, merci beaucoup pour ce live. Mais merci à vous. J'ai passé une bonne matinée en votre compagnie, ça c'était vraiment chouette. Donc, je vous invite pour demain, n'oubliez pas, à partir de cette pièce, la pièce extérieure, servez-vous-en comme gabarit, il faut la couper une fois dans le tissu de doublure, c'est très important. Carole qui dit très bien expliqué, bah merci, si ça a été clair, c'est parfait. En plus, j'étais toute seule pour lire vos commentaires, tout ça, donc ça a été, hein, c'était chouette. Maryse qui dit, j'avais peur de me lancer, mais là je vais m'y mettre. Tu peux y aller Maryse, vas-y tranquillement. T'as les replays qui vont être dispo et t'as le groupe d'entraide, hein, je répète, sur Facebook, Coudre le sac banane Charlie. Tu peux venir, il y a les personnes qui font la même chose que toi, qui sont en train de coudre le même modèle, donc vous serez peut-être les mêmes questions au même moment, donc n'hésite pas. Voilà. Sylvie, merci beaucoup pour votre aide, je vous dis à demain, bon samedi. Création de Marie, c'était très bien expliqué. Merci pour tous ces compliments. Premier live pour Sylvie, et bien bienvenue, j'espère que ça t'a plu. Vous me dites tout à demain, mais moi je vous dis à demain pour la suite. Donc demain, on part sur l'assemblage, d'accord? On va coudre toutes nos pièces, on va commencer par le rabat. Donc pensez surtout à préparer votre fermeture si vous ne l'avez pas encore fait. Je viens de passer. Claudine qui dit, je voulais juste savoir si le patron est uniquement sur ton site, on peut, ou également sur un magazine. Alors le patron, Claudie, il se trouve sur boutique.dodinette.com en version PDF, d'accord? En version PDF, il est bien plus détaillé que dans le magazine de mémoire. Il a plus de 50 pages où je fais une photo, une étape avec je trace les nids, etc. Donc, il est en 4 tailles. Donc, si tu veux une version très détaillée, oui, tu peux le trouver sur le site. Le tarif d'une taille, c'est 4,10€ et les 4 tailles, je crois, c'est 6,60€. Sinon, il est dans le magazine Liste Tendance. Là, tu n'auras qu'une taille, la taille 3. Tu n'auras pas toutes les options. Et le magazine, il regroupe plusieurs patrons de sac. Alors, je ne sais pas si on peut le trouver encore en version numérique parce qu'il est sorti au mois de décembre. Mais le tarif est autour de 18€. Et il n'y a pas toutes les pièces dans le gabarit. Enfin, il y a des gabarits taille réelle, mais il manque quelques pièces qui ne sont pas dedans. Voilà. Ça, tu sais tout. Et ben merci beaucoup pour vos petits compliments. Merci, franchement, pour tout. À quand les vidéos habillement, Catherine? Pas tout de suite, tu sais, j'aime pas trop coudre des vêtements. Enfin, j'en couds, mais je les porte pas, donc c'est dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci aussi pour vos étoiles. Elles m'aident beaucoup à réinvestir dans du matériel, vidéo, tout ça. J'ai bien entendu que vous aimez les vidéos. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein. J'ai un très beau projet à venir. J'attends d'avancer tout ça, c'est-à-dire finaliser l'atelier. Et ensuite, je m'y mettrai. Mon but, c'est que vous puissiez coudre sans questionnement et que ça se passe bien pour vous. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé parce que j'en ai encore beaucoup de travail. Véronique, merci, c'était génial. Et bien, merci à vous. J'ai passé un très bon moment aussi. Donc, je vous dis à demain. Pensez bien à découper votre pièce de doublure. Il faut absolument que vous ayez votre fermeture qui soit prête, celle-ci. Donc, ça, c'était le live d'hier, numéro 1. Donc, si vous ne l'avez pas fait, pensez à regarder le replay pour pouvoir la faire parce que ça, c'est très important. Sans cette fermeture, on ne pourra pas avancer.
Voilà, demain, le programme, la pièce zippée, d'accord, à 18h30. MJ, je suis contente, j'espère que ton sac en wax avance, j'ai hâte de le voir. Donc, demain, on fait notre rabat pièce zippée, d'accord, à partir des pièces Z. On pose notre fermeture, on commence l'assemblage de notre sac et en fonction de comment on avance, on s'arrêtera pour faire une pause parce que c'est vrai que la fermeture, c'est le plus technique dans ce sac. Et puis, on terminera lundi, j'espère, notre ouvrage. Si on n'a pas le temps de poser la sangle, pas de panique, on le fera mardi. Voilà. À quand une visite dans mon nouvel atelier Christelle. Bientôt, bientôt, cet espace-là est terminé. Il manque quelques petits trucs de l'autre côté. Je peux vous montrer, hein, j'ai mon bazar là. Donc, j'attends de terminer pour vous montrer. Vous voyez, quand je tourne ici, il y a un peu de bazar qui traîne un peu partout. Voilà. Mais les tissus sont en place. Donc, j'alterne rangement et préparation de vos commandes, donc j'avance pas très vite, mais ça va aller. Voilà, je vous remercie pour les commandes de kits aussi que vous avez passées, on va s'en occuper, ils partent mardi. Je vous souhaite un très bon samedi, j'espère que chez vous il fait beau, là j'ai un très beau soleil, donc c'est chouette. Je m'occupe de récupérer cette vidéo et je vous la mets tout de suite en replay sur ma chaîne YouTube ou le blog. Ah oui, et très très important, vous allez voir ça en fin de journée, il y a un méga méga concours sur le blog en partenariat avec Tissu de Rêve. Allez voir, le blog c'est blog.dodinette.com. On vous propose de gagner un an de tissu et un an de patron, soit un cadeau de plus de 400 euros. J'en ai pas encore parlé sur les réseaux. Vous avez 7 jours pour jouer. Voilà, donc je vous le dirai d'ici soir, vous verrez l'info. Je suis en train de vous faire une petite vidéo sympa. Donc voilà, allez voir. Franchement, ça va vous prendre 2 minutes, ça vaut le coup parce que vous pouvez gagner un beau cadeau. Donc ça c'est chouette. Et les tissus sont bien sûr au choix du gagnant ou de la gagnante. Et les patrons aussi. Et si vous avez déjà tous les patrons d'Odinette, pas de panique, on trouvera comment vous faire plaisir. Je sais que vous êtes nombreuses à tout avoir. Voilà, donc pas de soucis, on se débrouillera entre nous. Voilà, je vous souhaite un bon samedi. À celles qui ont travaillé ou qui vont travailler en replay, bonne couture. Et à demain, donc 18h30 sur ma page Facebook, les tutos couture de Odinette. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. Merci pour ce moment, c'était super. À bientôt les cousettes, à demain.